Je ne sais pas si ça marche, mais normalement ça marche. Bah écoute, pour l'instant, je ne sais pas. Ah, si je crois que c'est bon, si ça marche. Je Ah, vois. je crois que c'est bon, je Voilà. crois que ça marche. Voilà. Est-ce que vous nous Hop voyez, là. les petits enfants, dans le chat? Dans le chat. Oui, ça Je marche vous apparemment. On vous voit. vois. Oh, c'est beau. Est-ce que vous nous entendez dans le chat également? Oh, le beau parleur du cinéma, bonjour, bonsoir. Oh, salut, Jules Melon, Angel Hart, Beauparleur, Nico Ciné, Ok, toute la fine c'est équipe est là. Toute la fine vrai. équipe est là. Méli-mélo, hello Méli-mélo. Hop, je vais bouger un petit peu ça. Voilà, on vous voit et on vous entend très bien. Super, merci Jules Melon. Ben voilà. Tu vois, on redoutait qu'il y ait des incidents techniques et ou autres désagréments, mais finalement. Et oui, parce que c'est la première fois pour moi. Est-ce que le niveau des voix n'est pas disparate? Ça va? Parce que je ne peux rien faire. De toute façon, je vous préviens. Voilà, c'est très très basique comme interface. Je ne peux même pas régler le niveau des micros. Salut l'équipe. Salut Benzima, Noël, Angel Art, Fred, Matt, etc. Je ne vois pas combien on est en direct. Il faut que j'aille ici. Si c'est écrit, attends, 36. C'est écrit où ça? Bah, en dessous la fenêtre de YouTube. 36 Ah. visionnages en cours, je crois que ça veut dire 36 spectateurs. Enfin, il me semble. Ah oui, non, mais c'est parce que moi je suis pas sur le truc de YouTube. 38 maintenant, 38. C'est pour ça. Ouais, mais parce que toi, t'es un rebelle. Je suis un gros rebelle. Toi, t'es un gros rebelle. 51 visionnages. Bon, ben alors Voilà, allons-y. ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte. 53, 54. Alors, les petits amis, on va y aller. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Merci bien. Avant d'y Ah. aller, moi, je voudrais d'abord qu'on applaudisse tous Monsieur Merej, pour avoir réussi à atteindre 1000 abonnés. En si peu de temps quand même, donc bravo, voilà, on t'applaudit. Je pense que là, on t'applaudit tous là. Bravo, bravo pour cette performance. Je pense que Merci. tu as fait kiffer pas mal de gens pendant ce confinement. Heureusement que t'étais là. Voilà, Oh, c'est gentil. ta passion, ta connaissance, ton humour, ton décalage, ta folie. Je pense que tu as bien fait kiffer les gens. Eh bien, Donc écoute, voilà, bravo. Bravo à toi. merci. Merci, David. Je Et l'entends, je te c'est amplement remercie. mérité. Amplement mérité. Eh bien, alors, oui, c'est vrai que je suis un petit peu fou, mais je ne le fais pas exprès, hein, c'est mon état naturel. Voilà, c'est pour ça, dans les remerciements pour les 1000 abonnés, j'étais Jérémy. Et là, ce soir, je suis entre les deux. Alors, on nous demande, on n'est pas ensemble. Ben non, 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 on est mariés chacun. Hein. Voilà, Si on est... c'est. Ah oui, non, on est mariés. Ouais. On est mariés, Et alors on n'est pas ouais, ensemble. Désolé. on Et est des ouais, le ma. papas. Le master et le padawan, exactement, c'est exactement ça. Par deux, ils vont toujours par deux. N'y a pas de master, il n'y a pas de badawan. Attends, tu rigoles ou quoi? Toi, t'es un bon gros master. Hein. Et Écoutez, ça. tu le sais que tu as un bon gros master. Oui, je le sais, mais je ne sais pas en fait. Hein. Je D'ailleurs, l'entends. j'adore dans tes vidéos quand tu dis, alors lui, c'est un master. Ah ouais? Ça, c'est un Attends, truc. il travaille avec le chef-op de Paul Verhoeven, c'est un master. C'est vrai. C'est un truc de kung-fu, ça. Comme j'aime beaucoup les films de Hong Kong, c'est ce qu'on me disait. On disait, putain, Tsui, c'est un master. Sammo, c'est un master. Voilà, c'était Non, marrant. c'est vrai. C'est resté. Ouais. Alors, Bah, finalement, toi, on pourrait t'appeler le Drunken Master de YouTube. moi, ouais, je ne bois pas une goutte d'alcool, mais comme, Alors, ouais. bah, pourtant, on pourrait penser que enfin, en tout cas, que tu consommes quelques drogues des fois, Non. avant de lancer la caméra. Eh bien, je vous assure que c'est faux. Là, vraiment, je ne consomme rien du tout à part du Coca Light.
Et je crois que la seule drogue, là, le seul truc qui monte au cerveau, c'est le manque de sommeil. Ah, Raphaël, il dit les fils de Brian De Palma et Steven Spielberg réunis. Ah ouais, putain. Carrément. Ça, c'est beau, ça. Ouais, mais qui? Qui est le fils de qui? Ah, bah, je pense que... je pense que tout le monde le sait. On le sait tous. On le sait tous, finalement. Alors, pour commencer ce live, des petits cocos, eh bien, voilà, déjà, j'avais prévu, hein, je ne sais pas si on va faire ce que j'ai prévu, hein, parce qu'on est complètement en improvisation. Mais David avait... David tenait à ce que l'on parle ensemble du petit trailer donc de Tenette, voilà, qu'on a vu, hein, le film Palindrome. Alors bon, toi, tu sais déjà ce que j'en pense, et je pense que les petits abonnés, les petits déconfinés, ils savent ce que j'en pense, qu'ils ont vu la vidéo. Mais en revanche, toi, David, on ne sait pas du tout ce que tu en penses. Alors, est-ce que tu es hypé? Qu'est-ce que ça t'a fait, ce petit trailer? Raconte-nous un peu. Mais non, je vais t'expliquer. Moi, le problème que j'ai avec Christopher Nolan, c'est qu'il pourrait sortir un teaser avec juste trois cartons de titre avec écrit « Warner Bros. Presents a new Christopher Nolan movie, Tenet ». Et je serais hypé, mec. Mais ça, c'est mon côté fanboy de Christopher. Voilà. J'ai pratiquement aimé tous les films de Christopher. Ah, pratiquement. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un que t'aimes pas. Non, alors c'était pas. Alors je me suis mal exprimé. J'ai pratiquement adoré tous les films de Christopher Nolan. Donc en vérité, je les ai tous aimés. Attends, je réfléchis quand même. Mais oui, je les ai tous aimés. Oui, même The Dark Knight Rises. Hein. Et donc voilà, je suis désolé, hein, je le fais pas exprès. Hein. Vous pouvez m'appeler un fanboy de Nolan. Mais ce que j'adore chez Christopher, c'est que. Bah, ce que j'adore chez lui, en fait, c'est qu'il il transforme des concepts métaphysiques ou des concepts, tu vois, quand il joue sur la temporalité, etc., il les transforme en spectacle. Et c'est ça que j'adore, c'est que c'est du blockbuster audacieux, ambitieux. Il y en a même qui disent, voilà, il fait du blockbuster intelligent, bon, j'aime pas trop ce terme, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu vas voir un film de Christopher Nolan, oui, tu peux être déçu, tu peux trouver que c'est trop explicatif, il y a trop de dialogue, etc. Mais tu sais que on va pas te prendre pour un con, quoi. Enfin, en tout cas, il a pas voulu faire quelque chose de forcément très facile. Et il y a toujours beaucoup d'ambition derrière. Voilà, quand il fait ses Batman, quand il fait Interstellar, Inception, etc. C'est toujours des concepts assez novateur, assez dingue. Tu vois, même quand il fait un film de guerre, il peut pas s'empêcher de faire un truc inédit, quoi, de jouer sur le temps comme il l'a fait avec Dunkerque. Et donc c'est toujours il y a toujours quelque chose une ampleur dans ses films. Voilà, et une réflexion. Alors le beau parleur du cinéma nous dit, quand on voit l'état des blockbusters actuels, oui, on peut dire intelligent. Oui, bah, c'est sûr qu'il se démarque. Il se démarque de pratiquement de tous les blockbusters depuis 10 ans, Christopher Nolan. Après, tout n'est pas réussi, hein, je peux l'entendre. Hein. Voilà, on en parlait d'ailleurs récemment, tout ce qui est scène d'action, mais t'en parlais d'ailleurs dans ta vidéo. Je te vois. Alors là, il y a ma fille, je suis désolé, qui vient m'embêter. Maman. Les scènes d'action, tu vois, par exemple, il ne maîtrise pas forcément les scènes d'action. Mais en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment pour ça qu'on va voir un film de Christopher Nolan? Est-ce que c'est vraiment pour l'action? Même quand on va voir un Batman, ça peut paraître paradoxal, mais finalement, moi, quand je vais voir The Dark Knight, je vais pas forcément pour les scènes d'action, tu vois. J'y vais pour les twists, les retournements de situation, les émotions, et à la limite, quitte à amoindrir l'action pour avoir plus de réalisme, ce qu'il a souvent fait, eh ben, je suis plutôt de cette école-là, tu vois. Je préfère moins de débauche pyrotechnique dans l'action et plus de réalisme si c'est pour m'immerger encore plus dans le film. Voilà. C'est pas mal répondu. Alors, j'ai vu dans le chat qu'il y en a qui disent que ça fait un petit peu... Alors attends, déjà, manager ou faire des dons.
Alors, je suis complètement newbie hein, sur YouTube et tout, et donc il n'y a pas de don ce soir. Ce soir, vous pouvez dépenser votre argent pour vous. Voilà, vous pouvez vous faire des cadeaux, acheter des fleurs à votre femme, parce que là, il n'y a pas de don. Je n'ai pas encore mis en place tout ça. Voilà, comme quoi l'argent m'intéresse grandement, mais je le ferai probablement un de ces quatre. Mais là, voilà. Alors, j'ai vu dans le chat, oui, passer comme quoi ça faisait un peu Inception 2, le trailer. Alors, moi, déjà, j'ai envie de répondre à ça que, bah, ouais, mais c'est comme si tu disais à toute épreuve que ça ressemble à The Killer, tu vois. C'est-à-dire que, oui, certains réalisateurs ont leurs pattes et ils ont des obsessions et ça se répète. Donc, je pense que c'est pour ça. Et d'ailleurs, le temps, voilà, la déformation du temps, tout ça, c'est un truc avec lequel ils jouent. Mais moi, personnellement, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais je pense qu'on s'est bien fait niquer, hein, parce qu'à mon avis, on n'a rien vu dans le trailer, on n'a vu que dalle. D'ailleurs, si vous allez sur mon Twitter, j'ai posté un petit truc, vous allez voir. Et donc c'est limite un petit peu spoiler, hein, mais bon, bouchez-vous les oreilles. Hein. Mais la scène où ils escaladent là, le toit, enfin La façade de l'immeuble. la façade de Ouais. l'immeuble, bah, il y a une vidéo sur le net qui traîne où genre t'as le mec qui est accroché par des fils, là, qui remonte en fait comme ça tout le truc, et en fait il marche, en fait comme s'il marchait quoi, comme s'il marchait dans le vide. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Et en fait, Je voilà, crois que je l'ai vu. tu le vois marcher, quoi. Tu le vois marcher comme si, en fait, il escaladait un escalier invisible, quoi. Je sais pas, comme s'il pouvait se déplacer quasiment. Parce que qu'est-ce qu'on a vu des trucs à l'envers? On a vu le bateau aller à l'envers. On a vu vaguement une pauvre voiture et deux impacts de balles. Mais connaissant Christopher Nolan, ne va pas y avoir que ça dedans, hein, je pense. Hein. Ouais. Donc voilà, donc moi je pense que justement il se fout un petit peu de notre tronche là. Je pense qu'on a vu 20 minutes, on a vu les 20 premières minutes du film, tu vois, ou les à peu près, tu vois, et qu'en fait on va se prendre plein plein de choses inédites dans la tête. En tout Donc cas, non mais en tout cas, ça m'étonnerait qu'il refasse un Inception bis, parce que c'est ouais. pas tellement son style de rester, de répéter le même schéma. Narratif, de réinjecter ses thèmes de prédilection et ses obsessions, comme tu dis, oui. Voilà, il parle du temps dans Inception, dans Interstellar, mais de façon totalement différente. Même dans Dunkerque, il y a une réflexion sur le temps, mais amenée totalement différemment. Donc, je pense pas que c'est. Enfin, tu vois, et même, comment te dire, même Dark Knight Rises, quelque part, c'était pas un film qu'il voulait à tout prix faire, hein, tu sais. Il l'a fait parce qu'il y avait une telle pression, une telle demande pour faire une sorte de bouclage de trilogie que bon, bah, il l'a fait. Et d'ailleurs, ça s'est un peu fait dans l'urgence avec David Goyer qui devait écrire le scénario et qui d'ailleurs n'a pas, ils n'ont pas vraiment eu le temps qu'il fallait pour tout finaliser parce qu'il fallait sortir le film à une date précise, etc. Voilà, il y avait la Warner derrière qui avait déjà planifié tout ça. Mais finalement, je pense que lui, Christopher Nolan, il se serait bien arrêté à The Dark Knight. Je pense que ça ne l'aurait pas dérangé, parce que d'ailleurs, son film suivant, ça a été Inception. Et après, bon, il est revenu à Dark Knight Rises et tout ça. Mais pour dire que il n'a jamais vraiment fait le même film, même si oui, on retrouve ses obsessions, mais il n'a jamais vraiment fait le même film. Mais c'est comme Alfred Hitchcock, voilà, il y en a qui ont dit à l'époque que finalement, il refaisait un peu toujours le même film. C'est C'était un vrai. peu toujours la même recette, mais finalement, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Ce sont des variations sur des thèmes, oui, mais comme Brian De Palma, hein, ce Bien sont des sûr. variations, mais avec toujours un concept original, une nouvelle histoire, des nouveaux enjeux, des nouveaux persos. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère pour Tenet. Ouais. Donc on verra, hein. Mais je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas que ce sera Inception bis, quoi. Nous verrons. Et alors, ouais, ça Ah oui, c'était je suis une désolé, théorie. il y a ma femme. Je t'en prie. Alors, du coup, ouais, moi je pensais aussi Tenet, vu que c'est un palindrome. Je me disais au début, je pensais que ça voulait dire ten, toi 10, quoi. Et que peut-être Ah. ils peuvent remonter dans le temps 10 minutes, ou tu vois, j'en sais rien. Tu vois. Ah, pas Je me bête, pas disais ça. bête. Je ne sais Pas pas. bête. Parce que Bah tu sais, oui, t'as raison. tu scindes le mot en deux. Mais bon, en tout cas, je pense que dans le chat, hein, David et moi, on est d'accord.
le jour de la sortie. On aura des sacs plastiques sur nous s'il le faut, des scaphandres et des tuyaux qui sortent de tous les orifices. Mais en tout cas, on sera dans cette putain de salle pour voir ce putain de film. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, si les salles réouvrent et qu'on peut y aller, c'est sûr que j'y vais. Hein. Et comment est-ce que tu l'as pris, toi, David? Moi, justement, il y en a qui ont été un peu déçus qu'il n'y ait pas de date. Hein, tu vois, moi, le coming to the theater, moi, je l'ai pris comme non, mais c'est bon, les gars, on va le sortir. Quoi. Oui, moi aussi, je l'ai vu comme ça. Parce qu'en plus, c'est vraiment. Tu vois. Bah, en fait, ça veut dire. Je pense que ça veut dire une chose. Enfin, ça veut dire deux choses. C'est-à-dire que le film va sortir au cinéma, c'est sûr, mais peut-être pas la date qui était prévue. Parce que sinon, ils auraient mis coming ou open on July 20 ou je sais pas quoi, tu vois, comme ils font d'habitude, surtout à deux mois de la sortie. Normalement, tu as une date précise. Et là, ils ont mis coming to theaters. Donc, ils se laissent une marge de manœuvre peut-être pour décaler à une date future le film. Mais en tout cas, une chose est sûre, et ça j'en suis à 99,9% sûr, ce film sortira au cinéma et ne sortira pas en VOD. Parce que c'est pas du tout le style de Christopher Nolan de faire ça. Lui, il veut que ses films soient vus sur des grands écrans. Donc, mais moi, j'ai lu un article sur Internet où ils disent que s'il le sortait là, alors que voilà, parce qu'il y a quand même une flip que les gens n'aillent pas au cinéma et tout, hein, mais qu'apparemment il y aurait tellement peu de concurrence parce que tout le monde a tout bazingué, qu'en fait ça cartonnerait genre du jamais vu, quoi, que ça ramasserait toutes les salles, même en prenant en compte le fait qu'il n'y ait pas tous les spectateurs dedans et tout. Alors voilà, il y aurait un seul film diffusé quasiment, tu vois. Ouais, je sais pas. On verra l'état du monde à ce moment-là. Hein. Est-ce que les gens vont retourner en salle de cinéma? Voilà. Et j'ai vu un post de Edgar Wright qui dit que cet été, ils ressortent des films au cinéma, mais des vieux films. Et il y a, en fait, parce qu'il n'y a pas de nouveauté, donc ils ressortent des vieux trucs. Et donc là, il y a Scott Pilgrim versus The World qui ressort au cinéma. D'accord. Voilà, et donc, ils vont peut-être faire ça. Ils vont peut-être, tu vois, des films qui sont devenus cultes, mais qui n'ont pas marché à l'époque, ils vont les ressortir là, tu vois, pour combler les trous béants. C'est rigolo, ça. Ouais, ça serait marrant. Il y avait, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on était plus jeune, il y avait carrément, je me rappelle du Silence des Agneaux, par exemple, il y avait des ressorties. Mmh. Il y avait des ressorties, ils ressortaient le film au bout d'un an, au bout de deux ans. Parce que ça n'avait pas forcément marché à l'époque. Puis après, le bouche à oreille était tel qu'ils se permettaient de ressortir les films. Ils avaient fait ça avec le Silence des Agneaux. Ouais, avec le Silence des Agneaux, ouais. Et puis il y avait des exceptions. Il y avait Pulp Fiction, je me rappelle, sur les Champs-Élysées, il y avait une salle qui projetait Pulp Fiction pendant un an. Pendant un an, ils projetaient Pulp. Et moi, j'étais allé le voir 8 fois, mais sur. Sur 6 mois, tu vois, sur quasiment. Exact, mais j'y étais allé dans cette salle, sur les Champs. C'était au milieu des Champs. Qui n'existe plus d'ailleurs. Ouais, qui n'existe plus, exactement. Oui, c'était au milieu des Champs, je me rappelle. Bah, c'est là que je l'ai vu en VO, justement. Parce que la première fois, je l'ai vu en VF à Versailles, là où j'habitais. On en parlait, on en discutait. J'avais pas tellement aimé. Et en le revoyant en VO, j'ai fait, mais attends, mais j'ai pas vu le même film, c'est pas possible. Et c'est là que j'ai pris conscience que, oui, quand même, la VO, ça peut transformer un film. Oui, c'est sûr. Alors, j'ai vu dans le live qu'il y en a qui avaient bien kiffé ma petite vidéo où je déglingue le Justice League. Et j'ai vu qu'en fait, c'était devenu viral. C'est pas, je l'ai fait, j'ai pas fait exprès. Hein. Mais alors, je sais pas s'ils m'ont copié ou si. Mais apparemment, il y a plein de gars qui explosent leur Blu-ray et leur DVD de Justice League, c'est devenu une sorte de petite tradition virale. Tout le monde est en train de le faire. Et donc là, j'ai vu dans le chat qu'il y en a qui allaient le faire. Donc allez-y, dégommez votre Blu-ray de Justice League et envoyez-moi les photos. On fera un gros barbecue sur Twitter. Combien de distance entre nos deux baraques, on nous demande.
combien de distance? Je sais pas, je dirais. Je sais pas, je dirais 10 mètres. Ouais, j'allais dire 15 mètres. Ouais. Entre 10 et 15 mètres. Voilà, on est vraiment très proche. Voilà, on se voit à la fenêtre, des fois. C'est vrai. On est pendant le déconfinement. Pendant le confinement, on se parlait comme ça. On se parlait de la fenêtre. C'était marrant. Hey, t'as vu le film hier? Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Et t'as les autres voisins, fermez vos gueules. C'est vrai. Alors, il faut savoir aussi que j'ai fait un petit lavage de cerveau à David, là, dernièrement, pour qu'il regarde des petits Dario Argento. Et il a commencé, donc il s'est engouffré. Alors, vas-y, raconte-nous un peu ton ressenti sur Dario Argento. Qu'est-ce que tu as vu? Bah, écoute, j'ai vu Profondo Rosso. Oui, un giallo exceptionnel. Ouais, très bon. J'ai beaucoup aimé le style, le visuel. Et puis j'ai vu, bah là le dernier que j'ai vu, c'était comment ça s'appelle, pas Ténèbres, pas Phénoména, pas Ténèbres, j'ai oublié. Ah. Lequel j'ai vu? Avec les trois sorcières, une à New York, une à Rome. Voilà, alors, j'ai complètement oublié. C'est pas grave. T'as pas le titre? Bah, ça me revient pas là tout de suite, mais. Inferno. Voilà. C'est quand elle plonge dans l'eau pour récupérer la clé, c'est ça? Pour récupérer la clé, voilà, exactement. Oui, mais comme je... Et comme je te disais, moi, Dario, ce que je préfère, c'est les giallo, quoi. C'est quand il fait des polars, quand il part dans ces histoires de sorcières. Je suis pas ultra fan, sauf Suspiria. Et c'est vrai que même Inferno, oui, même si c'est magnifique, je reste un petit peu en dehors et je trouve ça un petit peu parfois passé. Voilà, on va dire ça. Ouais, comme ça. Ouais, je suis d'accord. Ça m'a, même si je reconnais vraiment un style visuel hyper intéressant, je trouve que ça a quand même pas mal vieilli, c'est des fois même un peu kitsch. Avec les couleurs très criardes et tout ça. Pourtant, dans Suspiria, ça ne m'a pas dérangé. Je trouve que ça se mariait peut-être mieux avec le scénario. Que là, je trouvais qu'il y avait un truc qui matchait moins bien. Mais par contre, le Profondo Rosso, ça m'avait beaucoup plu. Ouais, si vous n'avez pas vu Profondo Rosso, c'est magnifique. C'est un whodunit et on ne sait pas qui l'a fait. C'est impossible de trouver quasiment. Et puis la révélation, elle est géniale, quoi. Genre, on se fait manipuler par l'image, c'est assez dingue. Alors, on te demande, David, c'est quoi ta prochaine vidéo docu? Je ne sais pas du tout, mais ça ne sera pas pour tout de suite, c'est sûr. Et honnêtement, non, je ne sais pas. Écoutez-moi, ce que j'aimerais faire un jour, c'est une vidéo sur Alfred Hitchcock. Ouais, mais je pense que ça va durer 50 minutes. Et donc, ça sera donc beaucoup, beaucoup de boulot et je ne suis pas prêt à m'y mettre. Donc voilà, Alfred Hitchcock, on me demande beaucoup de faire Tarantino, par exemple. Ouais. Mais alors, bizarrement, j'ai pas du tout envie de le faire parce que j'ai l'impression qu'on parle de Tarantino toutes les semaines. Donc, ou presque tous les jours, non, mais sans déconner, il y a des vidéos sur Tarantino, j'ai l'impression toutes les semaines. Et on parle de lui voilà, tout le temps. Donc, du coup, ça ne me donne pas forcément l'impulsion ou l'envie de me pencher sur lui, même si j'aime beaucoup, j'adore Tarantino. Mais je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que j'aurais des choses hyper intéressantes à dire sur lui. Là, tu vois, je vois Jules Melon qui me dit Joe Dante. Voilà, Joe Dante, je kifferais bien. Ah ouais, ouais. Joe Dante, je kifferais bien. On avait parlé de Carpenter. Mais on s'est dit qu'on allait le faire ensemble, un peu comme on a fait avec Brian De Palma, donc d'explorer toute la filmo à travers des vidéos, un peu podcast, pour vraiment prendre le temps de parler, de rentrer vraiment dans le détail, de parler de tous les films, etc. Donc voilà. Mais ouais, Hitchcock, et puis évidemment Tonton Steven. Bien sûr. Tonton Steven, mais le problème, c'est que Tonton Steven, je l'aime tellement.
c'est mon réal préféré. C'est s'attaquer à l'Everest. C'est ça, exactement. C'est s'attaquer à l'Everest. Et quelque part aussi, j'ai l'impression qu'on connaît tous par cœur la vie de Spielberg et tout ce que les films ont voulu nous dire, ont voulu nous raconter. Enfin, voilà, oui, mais même temps, moi, je te rassure tout de suite, c'est ce que je te disais la dernière fois, hein, que ta vidéo sur Poltergeist, moi, il y avait les trois quarts des trucs, j'étais pas au courant. Hein, parce que tu maîtrises quand même hyper bien le sujet. Hein. Oui, non, mais Poltergeist, parce que c'est un truc quand même, c'est très particulier, tu vois. C'est quand même, et c'est pas forcément hyper connu, ce débat autour de ce film. Mais voilà, tout le reste, je sais pas. Bon, écoute, peut-être qu'un jour, je me chaufferai, je le ferai. Hein. On verra, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est pas l'ordre du jour. Hitchcock, Hitchcock, c'est magnifique. Alors Hitchcock, il y a quand même trois périodes. Hein. Il y a sa période anglaise, film muet. Après, il y a, il y a sa période hollywoodienne, l'âge d'or, quoi. Puis après, il y a sa période anglaise vieux, où il fait des films formellement moins bons. Tu voudrais couvrir tout ou ça serait juste Hollywood? Non, mais je sais pas encore, tu vois. Mais faire une vidéo intéressante sur Hitchcock pour avoir comment te dire tout un ouais pour couvrir vraiment non vraiment pour couvrir toute sa carrière et comprendre comment il a évolué au sein de son art quoi et qu'est-ce qu'il a apporté, comment il a innové, qu'est-ce qu'il a créé dans le langage cinématographique. Donc il faudrait tout couvrir, tu vois, mais il a fait tellement de films, je pourrais pas m'attarder sur tous les films. Évidemment, il faudrait que je fasse des choix, et du coup faire des choix, bah voilà, il faut que je réfléchisse sur quoi m'attarder, sur quoi faire l'impasse, etc. Voilà, il faut que je réfléchisse. Mais je pense qu'il faudrait parler un petit de ses débuts, Il faudrait forcément parler de ses débuts. Parce qu'en fait, il vient du film muet, hein, c'est pour ça qu'il est si fort. C'est parce qu'au début, il racontait des histoires qu'avec la caméra. Hein. Et donc, ça lui est resté après. Master. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Ouais. Je l'ai déjà dit, hein, mais je le redis pour ceux qui regardent là tout de suite. Il y a des classiques absolument intemporels qu'on connaît tous, comme Vertigo, Psychose, etc. Mais il y en a un qui est moins connu, c'est Le Faux Coupable, The Wrong Man, avec Henry Fonda. Et c'est un chef-d'œuvre absolu pour moi, au même titre que Vertigo et compagnie. Hein. Donc, si vous n'avez pas vu Le Faux Coupable, c'est le seul film où Alfred Hitchcock n'apparaît pas à l'intérieur du film. Il apparaît en fait au début dans une séquence pré-générique. Et en gros, il dit, il s'adresse à la caméra et il dit « Ouais, d'habitude, c'est moi qui écris les histoires. Là, je me suis inspiré d'une histoire vraie. Mais bien que cette histoire soit vraie, elle comporte des éléments qui sont beaucoup plus étranges que ce que j'ai parfois, moi, pu imaginer. » Voilà, j'espère que vous êtes teasé avec ça. Ah oui, c'est excellent, avec Henri Fonda, c'est extraordinaire. Incroyable. Non, mais il est génial, mais il y aurait aussi toute la période Alfred Hitchcock présente, tu vois, la série télé qui était géniale aussi. Ah ouais, c'était génial. Il y a tellement de choses à dire, j'ai envie de dire, c'est vertigineux. C'est sans fin. Puis il a marqué d'une empreinte... Puis il a tout inventé, le bonhomme, quand même. Je ne vais pas dire, mais c'est quand même chaud. Hein. Alors, maintenant, j'ai un petit jeu à proposer. J'ai un petit jeu à proposer à David. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous allez kiffer dans le chat, mais je pense... Là, j'ai essayé de faire encore un petit peu ma putaclic, sauf que là, vous avez déjà cliqué, alors ça ne sert à rien. Attends juste 30 secondes, je vais me resservir juste de l'eau, j'arrive tout de suite. Ah, je t'en prie. Voilà. Alors, je vais regarder un peu dans le chat. Du coup, excusez-moi, hein, le chat, comme là, je converse avec David, je ne peux pas faire comme d'habitude et regarder toutes vos questions en même temps. Je le referai, évidemment, parce que d'habitude, j'essaie de répondre à toutes les questions. Là, c'est impossible parce que je dois me concentrer, évidemment, sur mon interlocuteur. Je suis un peu navré pour ça, mais je vais quand même essayer de le faire un petit peu. On parle de Tchoyark, par exemple. Là. Alors, il faut savoir, oui, Tchoyark, moi, c'est un de mes réalisateurs préférés. Hein.
Tu vois, pour moi, il y a Kubrick, puis il y a Choi, tu vois. Donc, faire attention à Choi Ark. Hein. Moi, je suis un malade de Choi Ark. Hein. Je crois que, enfin, moi, j'ai vu Time and Tide au cinéma 9 fois, hein, quand même, par exemple. Et non. Hier, j'ai vu un post passer, quelqu'un qui disait, oh, Shanghai Blues, c'est décevant. J'avais envie de hurler sur mon fauteuil. Quoi ? Genre, ça marche pas. Les actrices sont pas terribles et tout. J'ai cru que j'allais avoir une attaque cardiaque. Sachez que sur le net, il y a une copie de The Blade, Choi Ark, en 4K qui circule. Voilà. Elle n'est pas terrible, mais elle est toujours mieux que le DVD. Salut, Mister Cult. Alors, bonne banane. Alors, attention maintenant. Voilà, on va faire le petit jeu. Donc, comme j'ai eu pas mal de succès avec ma petite vidéo Marvel, et que je sais que, David, tu adores Marvel, eh bien, je me suis... Ouais. Si, je vais faire ça, je vais faire ça. Je voudrais, tu vois, qu'on fasse dans le manichéisme le plus total. Voilà, hein, et alors, je vais te demander ton avis. Alors, on va parler de Marvel, mais on va pas parler du MCU, tu vois. On va parler de tous les autres qui sont sortis, mais pas chez Marvel, justement, chez la Fox, New Line et compagnie. Ah, et donc, okay. Je vais te présenter des films. Et puis, voilà, on va un petit peu converser dessus. Tu vas me dire ce que tu en penses, si tu les as vus hein, ou si tu les as pas vus. Et ensuite, ben voilà, on fera deux piles parce que c'est comme ça. On ne transige pas avec Marvel. Ça sera soit de la bombe atomique, soit de la grosse daube atomique. Et puis à la fin, ben voilà, on comptera un petit peu, puis on verra. Voilà. Donc dans le chat, évidemment, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Alors, est-ce que tu es prêt, David ? Vas-y. Balance. Alors, on va commencer tout de suite avec l'ancêtre. Hein, voilà, je crois que c'est le premier film Marvel, d'une certaine façon, qui a eu énormément de succès. Attention. Blade. Alors qu'est-ce que tu penses de Blade ? Alors, Blade, il faut que je dise que c'est génial ou si c'est de la merde. Alors, hein. Ouais, mais tu peux argumenter un petit peu si tu as envie. Ouais, écoute, je t'avouerai franchement, je ne le connais pas super bien, celui-là. Ouais. Il n'est pas réalisé par Del Toro, c'est pas celui-là. C'est lui qui a réalisé par Del Toro. Oui, exactement. Non, c'est Stephen Dorrington. Ok, d'accord. Écoute, celui-là, je l'ai dû le voir une fois et il ne m'avait pas marqué. J'ai pas trop adhéré. J'ai jamais trop aimé Blade, en vérité. Voilà, mm-hmm. Pour tout dire. Donc, s'il faut être manichéen, je dirais que c'est une grosse merdasse. Voilà. Alors, moi, je vais être plus. Moi, je me rappelle que j'avais lu à l'époque, c'était dans Impact ou Mad Movies. Oui, le renouveau du film d'action incroyable, Marvel, enfin sur un écran et tout, nanana. Et donc, on y était allé à 5 ou 6. Et c'était moi qui avais convaincu mes potes. J'avais dit non, mais vous allez voir et tout, c'est chambé et tout. Et en fait, vraiment, sur tous les 6, on a tous détesté. Et on était tous horrifiés, tu vois, par le film. Et je me rappelle de Stephen Dorff, tu sais, qui fait le vampire comme ça, et qui saute comme ça sur le truc du métro, avec un Wesley qui se la tape et tout, c'était pas possible. Et donc, moi, personnellement, un Blade 1, et c'est bizarre, hein, parce que j'ai limite envie de le revoir, t'as vu, il est encore sous blister. Hein, parce que mais j'ai détesté, mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça nul à chier, mais c'était hallucinant, quoi. Donc, je suis d'accord avec toi. Moi, je le mets directement dans la catégorie grosse daube. Désolé, le chat. Alors, on est dans la catégorie grosse daube et on va tout de suite continuer avec... Blade 2. Alors, Blade 2. Eh bien, écoute, je crois que je ne l'ai pas vraiment vu, ce film. Je ne me rappelle plus. En fait, je ne me rappelle même plus. Je sais qu'il y a des scènes d'action de ouf, et je me rappelle à l'époque, j'étais avec un pote qui me montrait des extraits de ce film en me disant « Regarde comment c'est filmé, l'action, c'est un truc de fou, avec les caméras qui tombent en même temps que le personnage qui se retourne, etc. C'est un truc de malade. » Et je sais pas, je sais pas, ça ne m'a pas tellement... J'étais pas dans ce trip,
Et du coup, je crois que je ne l'ai pas vraiment vu, donc je ne pourrais pas le juger, tu vois, je pourrais pas le catégoriser. D'accord. Je te laisse le faire. Mais vu que c'est Guillermo del Toro, vous allez tous dire que c'est génial. Voilà. Alors écoute, moi déjà, il faut savoir que ce film, je l'ai vu en projo de presse, et c'était une projo de presse hyper particulière. J'avais été invité par David Doucan, qui est un ex-journaliste de Mad Movies, qui est un pote. Et du coup, en fait, c'était une projo de presse privée, et il y avait Guillermo del Toro dans la salle. Il est resté pendant la projo. On a vu le film avec Guillermo, et c'était en plus hyper longtemps avant que ça sorte, et tout, c'était vraiment génial. Donc j'ai peut-être été influencé d'une certaine façon, mais je l'ai revu depuis, et moi je trouve que ça explose tout, je trouve ça super, en termes de mise en scène et tout, c'est mortel. Et puis surtout les scènes d'action, parce que c'est Donnie Yen, hein, donc l'acteur qui joue Hitman, voilà, qui joue un petit rôle dans le film et qui chorégraphie toutes les scènes d'action du film. Mmh. Et moi, je trouve que c'est absolument incroyable. Donc tu vois là, grosse bombe atomique. Pour moi, Blade 2, là, c'est de la bombe, de la méga bombe. Donc vraiment, ouais, Guillermo. Quand j'ai vu ce film, j'ai fait oulala, lui, il faut que je suive tout ce qu'il fait, quoi, parce que c'est vraiment de la bombe. Et comme tu disais si bien, les scènes d'action, voilà, toutes les chorégraphies, les mouvements de caméra. En plus, il y avait des trucs super novateurs. Il saute par la fenêtre et la caméra le suit par la fenêtre. Enfin voilà, c'est excellent. Oui, voilà, c'était... Ouais. Ouais. Et puis voilà, c'est quand même moins bien que le premier, on dit dans le chat. Non, vous avez tort, j'ai raison. Non, enfin oui, chacun ses goûts évidemment, mais non, moi je préfère vraiment le 250 fois. Et alors on va terminer Blade avec. Mais je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ah, tu ne l'as pas vu. Alors c'est un film. Mais il me semble que c'était pas terrible. Alors écoute, c'est réalisé par David Goyer, donc le scénariste. Hein, ouais. Et d'ailleurs, il a écrit des milliards de films et de séries sur les super-héros. C'est sûr que c'est David Goyer. Ouais, c'est David Goyer. C'est David Goyer. Ah, ok, d'accord. C'est la première fois qu'on voit Ryan Reynolds aussi, une des premières fois. Mais nul à chier. Mais un truc, genre, t'as même pas idée. C'est filmé comme un téléfilm. C'est des faux raccords à tous les étages. Le 1 à côté, c'est Barry Lyndon, tu vois. Vraiment, ouais. Quoi. Donc, vraiment, en plus, il y a eu des problèmes de ouf sur le tournage parce que Wesley se la racontait de ouf. Et donc, ça se passait pas du tout bien avec. Tu sais, c'était son dernier film hollywoodien avant qu'il parte en Roumanie, tu sais. Il est parti en Roumanie pendant des années avant de revenir sur la pointe des pieds parce qu'il avait le fisc au cul. Oui, oui. Et donc là, non, là, c'était horrible. C'est le melon, un melon tellement énorme que il a saboté tout le film. Et ouais, c'est une purge sans nom. Donc si vous voulez souffrir pendant une heure et demie, les gars, regardez Blade 3. Alors on m'a demandé dans le chat, pourquoi est-ce que tu as tous ces films si tu les trouves nuls ? Parce que je suis parce que je suis un psychopathe, parce que je suis un malade mental et parce que j'ai la collectionnite. Voilà, et alors moi, comme j'adore les super-héros, tu sais, c'est comme les films Disney, tu sais, sur les tranches, il y avait des numéros. Et moi, tu vois, c'est pas possible. Quand ça fait 1, 2, 3, 5, 6, mon cerveau, il peut pas. Tu vois, il manque le 4. Et même si j'aime pas le 4, il va falloir que je l'achète pour que dans la collection, tu vois, il y ait tous les trucs. Et c'est pas possible. Donc, c'est un peu pour ça. Moi, je suis un collectionneur. Et surtout, j'adore partager des films. J'achète surtout, tu vois, les films, je les achète alors que je les ai déjà vus, je les ai déjà téléchargés en général. Et en fait, c'est pour les prêter aussi. C'est pour les faire tourner. C'est à la fois une collectionnite et à la fois, je pense au futur. Je me dis, mon fils, il sera content de découvrir tous les super-héros quand il aura 12 ans, tu vois, ou 10 ans, ou 8 ans, ou 6 ans. Bon, on verra. Alors, on va poursuivre maintenant avec le film qui, pour moi, j'ai que le coffret, hein, mais pour moi, le film, tu vas me dire ce que tu en penses, je ne vais pas t'influencer. Vas-y, balance. X-Men,
Le premier X-Men, donc. Le premier X-Men de Bryan Singer. Balance, bébé. Ben, ah, moi, je te le mets direct dans la catégorie chef-d'œuvre absolu de la bombe, atomique. De la bombe atomique. Et alors, pourquoi là, donc bah, pourquoi donc? Parce que, bah, je trouve que quelque part, est-ce que c'est pas Bryan Singer qui a réussi finalement à faire le seul film de super-héros choral qui tient debout? Parce que finalement, c'est une galerie de super-héros, comme dans les Marvel, comme dans les Avengers. Mais sauf que là, putain, c'est super bien traité. Les personnages, ils ont chacun leur, leur développement et leur narration, tu vois. C'est bien construit, il y a un vrai scénario, il y a une émotion, ça se prend au sérieux en plus. Voilà, malgré qu'ils soient les X-Men avec les griffes qui sortent et tout ce que tu veux et tout, ça, bah, ça se prend au sérieux, il y a des thématiques sérieuses. Et c'était à l'époque, c'était donc au début des années 2000, c'est quelque part, c'est lui qui a relancé, enfin c'est même pas relancé, c'est lui qui a lancé la nouvelle vague des super-héros quelque part, puisque Spider-Man de Sam Raimi, c'est arrivé un ou deux ans après. Ouais. Lui, c'était au début des années 2000. Et le film, le premier X-Men, il commence quand même sur, sur une scène qui se passe dans un camp de concentration, quoi. Ça te met déjà le ton ici, quoi. Tu vois, donc c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. C'est pas l'un de mes films de super-héros préférés, mais c'était il fait partie des des très bons, quoi. Il fait partie des très bons. Alors écoute, moi je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que cette scène de camp de concentration, elle est complètement dingue. Je trouve que le film, il a pas pris une ride. Tu le revois, il est génial. C'était, tu vois, je trouve qu'en plus, au niveau du ton, c'est-à-dire qu'au niveau de la direction artistique, ils en faisaient pas encore trop. Tu vois, par exemple, la coupe de cheveux de Wolverine, elle est pas encore, tu vois, à la tondeuse. Tu vois, Oui, tu veux dire, c'est subtil, quoi. Ouais, c'est ultra bien fait, donc on y croit à mort. Et donc voilà, je dirais tout pareil que toi. Moi, je le classe dans grosse bombe atomique. Et je trouve qu'en plus, il y a une lecture gay hyper intéressante. Parce que Bryan Singer est gay, hein, au cas où vous ne le sauriez pas. Et du coup, tu vois, le truc des X-Men, quoi, des gens qui ne sont pas pareils que les autres, qui doivent lutter plus pour survivre, etc. etc. Et oui, voilà, je trouve qu'il y a une petite lecture comme ça qui est assez intéressante, fascinante. Et puis, on n'en a pas parlé, mais l'arrêt. C'est ça qui est génial, c'est que tu peux l'appliquer. Non, je disais, c'est ça qui est génial, tu peux l'appliquer à toutes les minorités qui sont discriminées, tu vois. Ouais. Parce que finalement, c'est aussi ça, X-Men. Hein. C'est une allégorie sur Martin Luther King et Malcolm X aussi. Tu vois, toute cette lutte-là entre deux modes de pensée, un plus extrémiste et l'autre plus tempéré, quoi. Ouais, et puis on n'en a pas parlé, mais la révélation Hugh Jackman, quoi. Oui, ah bah oui, aussi. Oh, la vache, quoi, on s'en est pris une dans la tête, hein. Tu le vois, puis instantanément, c'est lui, tu dis, mais d'où il sort ce mec, quoi, la première fois, quoi. Alors ensuite, ouais. X-Men 2, toujours de Bryan Singer. Ah bah, je l'avais encore plus apprécié que le premier. Ouais. Oui, donc je le mets direct dans la catégorie chef-d'œuvre absolu de la bombasse qui défouraille sa maman. Et donc, terrible. Non, mais là, je trouve que le film il montait encore d'un cran, déjà ne serait-ce que par la scène d'intro complètement oufissime avec, sur la musique de Mozart. Là. Enfin, il me semble que ouais. C'était. Voilà. C'était la virtuosité de ouf dès l'intro du film. Et puis voilà. Dans la Maison Blanche là, dans la Maison Blanche, là, c'était avec complètement... Avec Diablo qui se téléporte. Ouais, c'était incroyable. Et puis voilà, ouais, les enjeux, les personnages, les dilemmes, c'était mortel, quoi. C'était mortel. Ça m'avait totalement captivé, quoi. J'avais adoré X-Men 2. Ouais. Moi, très sincèrement, j'avais trouvé le début tellement incroyable. C'est le climax, en fait. Ça commence par le climax, quoi. C'est vrai. Et que du coup, à la toute fin, tu sais, les scènes avec Brian Cox, avec la chaîne sur le visage, en train de faire... J'avais trouvé ça un tout petit peu cheap. Et du coup, je serais un peu plus mitigé que toi. Moi, je trouve que le 1 est beaucoup mieux.
en vrai. Mais ouais, je le classe en grosse bombe à neutrons vu qu'on ne fait pas dans la demi-mesure. Voilà. Et alors, on va finir avec cette trilogie, hein, avec le X-Men 3, réalisé par notre réalisateur pas très MeToo. Hein, comment s'appelle-t-il déjà, ce petit réalisateur? Brett Ratner. Alors moi, avant, je vais vous raconter une petite anecdote sur Brett Ratner. Moi, j'ai une copine, elle est allée à Hollywood, et puis elle s'est fait inviter par Brett Ratner. Il lui a fait « Ouais, viens chez moi ce soir, tu vas voir, je fais une petite soirée et tout ça. » Et donc, elle hésite et tout. Il lui a dit quoi? Il lui a dit « Ouais, tu vas voir, j'ai réalisé Family Man, tu connais pas mon cinéma, mais je suis un mec hyper sensible et tout. » Et donc, elle va chez lui, elle rentre, et là, y avait des nanas, des mecs, enfin voilà, c'était une vraie soirée. Donc, et dans la cuisine, il y avait un mec qui faisait de la bouffe pour tout le monde, et c'était Francis Ford Coppola. Et tu vois, et en fait, je trouve ça juste dingue que Francis Ford Coppola soit le super pote de Brett Ratner, quoi. Tu vois, je trouve ça assez ouf. Voilà l'anecdote croustillante. Alors, qu'est-ce que tu penses de X-Men 3 ? X-Men 3, j'avais été déçu. J'avais été pas mal déçu. Je n'ai pas trouvé que c'était nullissime, comme beaucoup de gens peuvent le dire. Mais clairement, oui, c'était, on était redescendu d'un cran par rapport aux deux premiers X-Men. Donc voilà, ouais, ça, j'ai un vague souvenir parce que je ne l'ai pas vu. J'ai dû le voir peut-être deux fois maximum. Mais je me rappelle qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans le traitement du personnage du Phénix. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Je sais plus. Je me rappelle plus très bien, mais je me rappelle juste que j'avais été un peu déçu. Donc, vu qu'on n'est pas dans la même mesure, je vais le mettre dans grosse merdasse. Voilà. Ah, bah écoute, moi je sais que le film s'était fait chier dessus, mais alors d'une puissance. C'est vrai que passer après Singer, c'était chaud. Mais c'est vrai que bon, il est moins bien que les autres, mais quand même, je trouvais que c'était. Ouais, j'avais trouvé les gens un petit peu durs avec ce film. Et surtout, je trouvais que. Déjà, c'est le meilleur film de Bryan Singer, hein, pour moi quasiment. De Brett Ratner. Et je trouvais que l'affrontement final, donc la dernière scène d'action où ils sont tous, je la trouve quand même assez. Assez dingo, avec beaucoup de practical effects et tout. Et franchement, quand on le revoit, le film, je trouve qu'il est mieux que... Enfin, c'est pas si nul, en fait, pour moi. C'est pas si nul. Bon, alors, c'est quoi, il faudrait que je leur donne une chance. Voilà. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Donc, on va classer le coffret. Hein. On classe le coffret en grosse bombe atomique, hein, quand même. Ah bah oui. Allez. Bah oui. Allez, soyez ouf. Vu qu'on est on n'est pas manichéen, hein, déjà. Alors ensuite, nous en avons parlé, hein, mais évidemment, il arrive avec ses gros sabots, il explose tout le game, hein, il fait un raz-de-marée, tout le monde est traumatisé. Je parle évidemment de Sam Raimi, et il arrive avec Spider-Man. Alors Spider-Man, raconte-nous la première fois que tu l'as vu, mon petit David. Est-ce que tu as kiffé? Moi, j'ai surkiffé Maras. Est-ce que tu te rappelles de la bande-annonce avec le World Trade Center? Ouais, je me rappelle. Ouais, qu'on voyait dans les reflets de l'œil de Spider-Man. Ouais, et puis tu sais, il y avait un hélicoptère pris entre des toiles d'araignée, entre les deux. Oui. C'était ouf. Exact. Et ouais, et finalement, ils l'ont enlevé. Et oui, non, c'était la grosse claquasse. On n'avait jamais vu. C'était un spectacle incroyable, quoi. Un spectacle incroyable, une émotion incroyable. Moi, j'ai toujours adoré les Spider-Man de Sam Raimi, sauf le 3, pour lequel j'ai beaucoup de réserves. Mais le premier, c'était de la bombe. Donc, c'est vrai. Chef-d'œuvre absolu. Ah, tu vois, là, je vois dans le chat. Et puis malgré le côté blockbuster, comment te dire, malgré la grosse machine. Que représente Spider-Man, le mec réussit quand même à faire son film, je trouve, à y injecter sa patte, à y injecter son cinéma, tu vois, son style de mise en scène, et à l'appliquer dans cet univers de comic book. Et c'est pour ça que ce Spider-Man, il transpire le ciné de Sam Raimi, et que c'est aussi bon. Alors moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu. D'ailleurs, je l'ai vu dans le
dans le chat. Je trouve aussi que c'est le meilleur de tous les Spider-Man jamais réalisés. Je l'ai vu également dans le chat. Et il y a, mais c'est vraiment mieux que le 2 hein, pour moi. Et tu vois, tu dis, David, que ça ressemble au cinéma de Sam Raimi. Et complètement, mais même encore plus que les autres pour moi, parce que c'est un film qui est en 1,85 et pas en scope. Et je trouve que c'est Raimi, il est plus fort quand il n'est pas en scope pour moi. Et je trouve que c'est un film qui a zéro défaut. On peut, voilà, les deux petits défauts, on pourra dire, c'est un peu le miscast. On peut toujours, voilà, le choix des acteurs pour Spider-Man et pour Mary Jane. Bon, ça peut se discuter. Moi, à l'époque, j'étais un petit peu fâché, quoi. Mais bon, maintenant, je m'y suis fait. Mais voilà, je trouve qu'au niveau de la réalisation, c'est incroyable. Et puis bon, le troisième défaut, c'était le masque du bouffon vert. Mais bon, il n'a pas eu le choix. Ça a été imposé par le studio. Puisqu'à la base, lui, il avait fait un masque qui ressemblait complètement au bouffon vert. D'ailleurs, vous pouvez le trouver sur le net. Vous regardez « Masque original du bouffon vert ». Et une particularité aussi de ce film par rapport à tous les autres, c'est que c'est ultra violent, bordel de merde. Mais c'est incroyable, la violence de ce film, avec des mecs qui sont transpercés et tout. C'est Dion Lam qui chorégraphie le film. C'est un mec qui a travaillé sur Matrix, un Hongkongais. Et c'est de la tuerie. Donc vraiment, revoyez-le. Et d'ailleurs, c'est le seul qui a marqué l'histoire du cinéma avec deux trucs pour moi. A, le baiser à l'envers. T'as jamais, tu vois, ça a marqué tout le monde. Et B, à grand pouvoir, grande responsabilité. Ouais. Tu vois, et aucun autre Spider-Man n'a laissé de traces comme celui-ci. Quoi. Même le 2. Et même si le 2 est très très bien... même génial, hein, moi, je trouve que voilà, celui-là est vraiment meilleur. Donc redonnez-lui une chance, hein, les petits cocos, si vous préférez le 2. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait débat. Hein. Je pense que c'est celui-là le meilleur. Ouais, bah bon, moi, mon préféré, ça restera toujours le 2 quand même. Voilà, Spider-Man 2. Parce que là, pour le coup, je trouve le méchant un peu plus réussi dans Spider-Man 2. Ouais. C'est ce que j'aimais un peu le moins dans le premier, même si j'adore William Dafoe et tout, mais quelque part, bon, il était un petit peu trop, enfin voilà, quand il se transformait en bouffon vert, là on rentrait vraiment dans le cliché du méchant du comic book avec le rire sadique et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Alors que bah, dans le Docteur Octopus, c'est ça, un Docteur Octopus de Spider-Man 2. Et bon, voilà, il y avait une approche un petit peu plus subtile du méchant, tu vois, du comic book. En tout cas, il m'a plus intéressé. Et puis il y avait une certaine émotion aussi autour de ce personnage, qui finalement se faisait manipuler. Bon, remarque, tu vas me dire aussi comme le bouffon vert, mais il se faisait manipuler par sa propre création. Quoi. Ouais, mais souviens-toi les scènes. Je sais pas, de Willem Dafoe devant le miroir là, qui parle et qui devient. Oui, c'est vrai que c'est mortel. Mais je trouve que dans le 2, ce que j'ai aimé dans le 2, c'est que Peter Parker, il s'en prend plein la gueule, quoi. Il s'en prend plein la gueule. Son ami découvre que c'est en vérité lui qui est derrière la mort de son père. Voilà, il y a cette fameuse scène du dîner où en une minute il perd tout, il perd Mary Jane qui va épouser l'autre gars, son ami qui lui fout une baffe dans la gueule devant tous les invités. Je crois qu'il perd aussi son boulot, il est viré, tu sais, du journal. Enfin bon, après il abandonne son costume. Enfin, ce que j'ai adoré dans Spider-Man 2, c'est que c'est la remise en question. Voilà. Et puis, il perd ses pouvoirs. Il n'arrive plus à jouir. Parce que ça aussi, c'était génial, le côté, à l'époque, on ne s'en rappelle plus maintenant, mais le fait que les toiles d'araignée sortent de son corps, moi, je faisais waouh, parce que ça n'a jamais été comme ça dans la BD. Hein. Et c'était une grosse prise de risque, je trouvais. Et il y avait vraiment un truc d'éjaculation, quoi. Hein, tu vois, de l'adolescent, parce que ça devient un homme, quoi, tu vois. Et là, je le trouvais un peu impuissant aussi avec sa meuf. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a une. Est-ce que je ne verrais pas des symboliques sexuelles partout, moi ? Je ne sais pas. C'est possible. Donc celui-là, on le place en grosse bombe aussi, on est d'accord ? Ah oui, grosse bombe, direct.
Ok, d'accord. Et donc, maintenant, ben, on va finir par le 3. Hein. Qu'est-ce que tu en penses du 3, alors? Alors, le 3, où ouais. quand même, hein, il faut dire que c'est le studio hein, qui lui a imposé Venom. Lui, il voulait faire que Sandman, et puis on lui a cassé les couilles pendant 4 heures pour foutre Venom partout. Mais en revanche, je ne suis pas sûr qu'on lui ait imposé la scène de danse hitlérienne voilà, qui aura marqué tout le monde. Qu'en penses-tu ? Ouais, non mais ouais. Celui-là, il a été, ça a été la grosse déception. Je l'attendais comme un dingue. La bande-annonce, elle était complètement ouf. C'était peut-être la meilleure bande-annonce de tous les Spider-Man, et où on nous promettait un Spider-Man qui allait basculer dans le côté obscur et être voilà possédé par un mal, et on se demandait mais comment il va faire pour s'en sortir et tout. Et je pensais que ça allait être très sombre, très noir, très adulte, et finalement, bah voilà, le mec il fait il danse dans la rue avec une mèche de rebelle, de l'eyeliner, et finit dans une boîte de jazz. Bon, ouais. Voilà, un petit peu déçu, et puis, tu sais quoi, j'ai été déçu au bout de 30 secondes de film. Tu sais pourquoi ? Dis-moi. Le générique commence, et là je vois Music by Christopher Young. Ah ouais. Et là je fais quoi ? C'est pas Danny Elfman ? Ouais, c'est quoi cette arnaque là ? Alors je dis pas Christopher Young, c'est pas un Hasbrook, mais c'est pas Danny Elfman, tu vois. Et là je vois ça, je fais oh non, merde, et je fais putain, bon déjà bon, fais chier, bon c'est pas grave, tant pis, c'est la musique. Et bon bah déjà la musique, ça pour moi ça joue énormément dans l'appréciation du film, parce que surtout dans un film de super-héros qui doit t'embarquer, qui doit te galvaniser à travers des thèmes forts et puissants pour t'embarquer dans les émotions des personnages. Et là, je trouve que la musique, elle était en dessous des deux premiers opus. Bon, là, ça, c'était un premier point. Et puis après, effectivement, c'était le scénario surchargé de méchants, quoi. Voilà, c'est comme tu dis, quoi. Il ne devait pas y avoir Venom, et finalement, il a fallu introduire Venom, mais c'est totalement artificiel. Il y a le combat entre lui et son ami, quoi, et le nouveau bouffon vert, quoi. Enfin, comment il s'appelle ? Bon, bref, James Franco. James Franco. Et puis Sandman, quoi. Et donc à un moment donné, bon, qui est le méchant ? Qui est l'antagoniste ? Quelle est l'opposition ? Qui, quoi ? En plus, personne ne se connaît parmi ces méchants, donc ils peuvent pas forcément s'allier et composer une menace global contre Spider-Man, donc ça va un peu dans tous les sens. Alors c'est pas une merde ce film, c'est pas foutre à la poubelle, parce qu'il y a quand même de très bonnes scènes, il y a de très bons moments, et il y a d'ailleurs peut-être le meilleur caméo de Bruce Campbell dans celui-là, je trouve, par rapport aux deux autres. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, c'est quand il essaye de faire sa demande en mariage au restaurant, et t'as Bruce Campbell qui fait le serveur. Ouais, bien sûr. Et qui fait tout capoter, qui fait tout foirer. Enfin, bon, c'est assez drôle cette scène. Et donc voilà. Mais non, la magie n'a pas opéré, ça ne marche pas, ça coince. Il y a un truc qui ne va pas. Et malgré qu'il y ait des envolées de mise en scène de Sam Raimi, oui, qui sont là, mais ce n'était pas assez pour sauver un film d'un scénario trop bancal. C'est vrai. Eh bien, écoute, moi, je vais dire tout pareil que toi. Je vais en rajouter une couche parce que je trouve que c'est un peu le début un peu des problèmes pour Sam Raimi. Hein. Il a quand même une carrière quasiment sans faute. Et à partir de ce film-là, il a quand même fait des trucs un petit peu discutables, même par la suite. Pas toujours, hein, parce qu'il a quand même fait des bons films, mais ces derniers films, tu es quand même là en train de faire « Qu'est-ce que tu fais, mec ?» Il y a quand même un truc comme ça. Et puis, moi, je trouve la plus grosse déception, parce que là, je suis comme Ursus. La musique, moi, elle m'a pas dérangé, je l'ai trouvé plutôt pas mal, même assez belle, mais c'est Venom, quoi. C'est l'acteur Topher Grace, là, c'est pas possible. Moi, j'adore Venom depuis que je suis tout petit, tu vois. Et c'est quoi ce Venom, quoi? C'est quoi cette crevette? C'est quoi le problème, quoi? Donc, vraiment, c'était la plus grosse déception de ma vie à ce niveau-là. Et puis, voilà, je trouve que Peter Parker, il le fait pas du tout dans celui-là, il est naze. Enfin voilà, ils auraient dû faire que Sandman, et voilà, c'est un film fait pour le pognon, quoi. Et bah du coup ça marche pas. Donc grosse daube.
Grosse daube ou pas grosse daube alors, David? Ah, grosse daube, bah oui, bah, vu qu'on n'est pas dans la demi-mesure, oui. Ok, Grosse daubasse. grosse daubasse. Alors attention maintenant. Ouh là là, j'espère que vous êtes prêts dans le chat parce que là, je vais envoyer du très très lourd. Attention, David, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te rappelles de Vas-y. ta séance au cinéma? Fais voir. Ouh! Ah oui, ouh là là, putain, mais t'as des sacrés bons films chez toi, hein. T'arrives à dormir la nuit avec tout ça autour de toi? Eh oui. Écoute, j'en attendais absolument rien, et je n'ai rien vu. Franchement, j'ai pratiquement aucun souvenir de ce film. Je l'ai vu une fois, ça m'a diverti sur le moment. Enfin, tu vois, j'ai pas passé un moment totalement désagréable, parce qu'en même temps, j'en attendais pas grand-chose. Mais voilà, c'est vraiment arrangé dans le bas du panier des films de super-héros, sans aucune importance. C'est vrai. Alors, moi, personnellement, je kiffe ce film. Je ne saurais pas te dire pourquoi. Parce qu'en fait, il me fait vraiment penser dans le ton à la série animée que je regardais quand j'étais petit. Je trouve que Jessica Alba, elle est trop fraîche. Moi, la première fois que je l'ai vue, c'était dans Dark Angel. Et je la trouve trop belle. Enfin, tu vois, à chaque fois, je suis là en train de faire ah! Et je sais pas, je trouve ça marrant. Tu vois, c'est Tim Story qui a fait ce film, un mec qui fait tu vois, des comédies d'habitude. Et en fait, je trouve pas ça si nul, quoi. Même quand tu le regardes maintenant, je trouve ça assez rigolo. Moi, j'ai passé un super bon moment quand je l'ai vu. Et il n'y a pas de génie ni rien. C'est même plutôt mauvais, hein, en vérité. Mais je sais pas. Chacun ses mauvais goûts, comme je dis souvent. Et celui-là, c'est un de mes mauvais goûts. Toi, je le regarde de temps en temps avec plaisir. Je trouve que c'est sympathique. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais à mon avis, je vais me faire défoncer. Voilà. Et surtout, 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 là où je le trouve sympathique, c'est qu'après, on s'est pris ça. Et alors ça, les petits enfants, les quatre surfeurs, les quatre fantastiques et le surfeur d'argent, en revanche, c'est un des films les plus pourraves que j'ai jamais vu de toute ma vie. Et vraiment un truc genre, mais j'ai jamais vu ça, quoi, tellement c'est nul, mais mal monté, mal fait, fataliste de merde. Le surfeur, c'était nul. Les effets spéciaux, c'était mais de la daube, mais c'était une catastrophe. Donc voilà, moi je mets le premier dans super grosse bombe atomique et le deuxième dans c'est de la merde en bâton. Et il faut vraiment tirer la chasse d'eau. Et toi? Non, moi, c'est quoi? Je pourrais même pas te dire que celui-là est moins bien ou meilleur que le premier. J'ai l'impression que c'est comment te dire deux merdes identiques. Deux merdes Enfin, identiques? Non, 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 non. Celui-là, je te jure, celui-là est beaucoup plus pourri. Hein. non, non, j'ai l'impression que c'est deux films insignifiants, l'un aussi bien l'un que l'autre. Donc moi, je les foutrais tous les deux dans le trou des chiottes. Bon, bah écoute, comme on n'est que deux, hein, on les met et que voilà, bah, on ne peut pas se départager, on va les mettre Voilà. dans le trou des chiottes. Ah là 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 là. Alors on va continuer. Alors attention, c'est le Director's Cut, hein. Ce n'est pas la version classique, hein. Calmez-vous. Hein. Et c'est chorégraphié par Corey Yuen. Donc un petit peu de respect pour ce film. Qu'est-ce que c'est encore? Ouh là là, attends, mais ce film, il n'était pas sorti avant, non? Là, on est chronologique, Ah là? non, 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 on n'est pas chronologique, on n'est pas chronologique. Ah, d'accord, ok. Non, 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 on n'est pas du tout chronologique, t'inquiète. Donc Écoute, alors, Daredevil. ouais, bah Daredevil, je l'ai vu dans l'avion. Donc j'ai aucun souvenir, si ce n'est Colin Farrell qui avait un truc sur le front et qui faisait je sais pas quoi, voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. Et puis non, voilà, ça ne m'a vraiment pas marqué. Je ne saurais même pas t'expliquer pourquoi. Voilà, j'ai vu dans l'avion et ça ne m'a pas du tout interpellé, quoi. Je crois que le méchant était bien pourri. Ah ouais, Il me Colin semble que le Farrell, méchant, qui voilà, il était. cachetonne à mort avec Ouais, la. mais attends, ce film, il est un petit peu au début des années 2000, je crois, c'est 2003, 2004, c'était un peu le début de Colin Farrell, tout ça, là. Ouais, bien sûr, ouais. C'est 2003, donc 2002. bon, ouais, ben voilà, c'était le début de carrière de Colin Farrell, donc je pense qu'il prenait ce qu'on lui donnait, tu vois. La même année, il a quand même tourné avec Spielberg, hein, pour Minority Report. Mais effectivement, bon là, il s'est gouré, Ben Affleck, voilà, tout le monde s'est gouré en faisant ce film. Non, mais voilà, j'ai vraiment pas de souvenir, donc et puis je l'ai jamais revu.
Et voilà, donc je le foutrais bien, bien dans le trou des chiottes aussi, celui-là. Bien, écoute, moi, je trouve que déjà, tu vois, entre les deux, ils auraient dû prendre Matt Damon, hein, parce que Matt Damon, il avait vraiment beaucoup plus la tête de Matt Murdock, pour moi. Jamais compris pourquoi ils ont pris Ben Affleck. En plus, à l'époque, je détestais Ben Affleck. Ça va mieux maintenant parce qu'il a fait des meilleurs films en tant que réal et tout, donc je l'ai un peu sorti de... Il a repris du galon. Mais c'est vrai que c'est un film irregardable. La scène de la balançoire, ils font du kung-fu, mais c'est ridicule. Alors que j'adore Corey Yen, même les scènes d'action, elles sont nulles. Voilà, le seul truc qui était pas mal, c'était le côté, tu sais, il est obligé de dormir comme un vampire dans de la flotte, tu sais, dans un caisson avec de l'eau pour se boucher les oreilles parce qu'il entend tout. Tu vois, il y avait un petit truc noir qui aurait pu être sympa si ça avait été réalisé par un mec qui avait du talent. Mais ouais, non, celui-là, on va se tirer la chasse d'eau. Et je propose qu'en même temps, parce que celui-là, je ne l'ai pas quand même, parce que je n'ai pas pu, je propose qu'avec, on mette Electra. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, ouais, je ne l'ai pas. Je ne sais même plus si je l'ai vu. Voilà. Parce que Electra, c'est à côté, tu vois, à côté, c'est 2001, hein, Daredevil. Electra, ah ouais. C'est assez hallucinant. Tu n'as jamais vu ça de toute ta vie, quoi. Je crois que je m'étais arrêté à la bande-annonce. J'ai vu la bande-annonce, j'ai fait, ouais, bon. Allez, voyons, alors, allez. Attends, voyons voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Alors ensuite, attention. Alors là, attention, les gars, attention. Alors David, attention. Et le chat, attention, parce que là, je vous sens très, très lourd. Et il faut peser ses mots avant de parler. Hein. Hein, et petite dédicace à Zoltan, d'ailleurs. Hop là. Ah. Alors, ouais, Zoltan il a fait une super vidéo sur ce film, mais pas que d'ailleurs. Hein, c'était vraiment l'adaptation des comics books au cinéma et en prenant un petit peu ce film comme sujet principal, on va dire. Mais il parle de plein d'autres adaptations. Donc voilà, petite pub pour la super vidéo de Zoltan. Allez sur sa chaîne pour découvrir ça. Alors, écoute Hulk, réalisé par Ang Lee quand même. Qui est un putain de bon réalisateur. Ah ouais, est-ce que tu te rappelles du teaser de Hulk? Le teaser, pas le trailer, mais le teaser où c'était juste la voix off d'Eric Bana qui disait quand je me mets en colère, nanani, nanana, je sais plus ce qu'il disait, mais il est devant la glace comme ça, et puis la caméra elle avance sur lui, puis d'un coup il devient tout vert comme ça, puis boah, là t'as Hulk comme ça. Enfin, il y avait la musique. Attends, en plus la musique qu'ils avaient utilisée, c'était. Je me rappelle. Oh là là, attends, c'était quoi? Je crois que c'était une musique d'un film de Bryan Singer. Enfin bon, bref. Enfin, c'était génial. Et là, j'étais totalement hypé. Et ouais, j'ai été déçu. C'est un film qui m'a donné mal à la tête. Trop d'effets de style. Trop. À vouloir à tout prix faire en sorte que le film ressemble à une bande dessinée. Le film ressemblait plus à un casse-tête et un mal de crâne plus qu'autre chose. Voilà, dommage, il s'est perdu dans ses effets, Ang Lee. Il y avait quelque chose d'innovant. Oui, il y avait peut-être quelque chose à trouver là-dessus. Ça aurait pu marcher, qui sait. Mais non, là, ça fonctionnait pas. Ouais, et puis l'histoire, tout ça. Enfin, bon, je l'ai vu une fois, je l'ai vu au cinéma à l'époque, c'était en 2003. Hein. J'ai jamais revu, donc j'ai pas un souvenir très très frais du film. Alors moi, je trouve que ce film souffre d'un problème, c'est la dichotomie entre la réalisation pure du film et celle des scènes d'effets spéciaux qui sont pas du tout réalisées de la même façon, un peu comme peut l'être le premier épisode de La Planète des Singes, la nouvelle version là. Mais alors moi, personnellement, je suis pas du tout d'accord. Moi, je trouve ça absolument incroyablissime. Pour moi, c'est limite le meilleur film de comics. Et vraiment, c'est quasiment, pour moi, la meilleure adaptation d'un comics au cinéma. Et je trouve que c'est hyper intéressant, justement, tous les effets de style qu'il a mis, parce qu'on a vraiment l'impression de lire une bande dessinée. Et là où c'est complètement paradoxal et génial, en plus, c'est que pour retranscrire l'effet figé d'une bande dessinée, eh ben, il a dû démultiplier les mouvements de caméra, les cases en plus, etc. C'est-à-dire que pour retranscrire un peu
le mouvement de l'œil. Voilà, tu vois, il a dû voilà, multiplier tous les plans, faire des mouvements à gogo, etc. Et moi, vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. J'adore ce putain de film. J'adore Nick Nolte, la relation qu'il a. Je trouve que Eric Bana, c'est le meilleur Hulk. En plus, il y a Jennifer Connelly, je l'aime, d'amour. Et voilà, la fin, c'est complètement métaphysique avec, genre, il se bat contre un orage et tout. Enfin, c'est complètement dingo. J'adore, je trouve ça génial. Le seul défaut, c'est qu'on dirait Shrek. Voilà, les effets spéciaux ont un petit peu vieilli, tu vois. Donc, on dirait un petit peu Shrek. Mais franchement, non. Alors, moi, je suis fan, mais hardcore de ce film. D'ailleurs, il y a un Master 4K qui vient de sortir. Et c'est de toute beauté. Donc, comme tu as mis, je ne sais plus lequel, et que je t'ai suivi, eh ben celui-là, je vais le mettre dans Grosse Bombe Atomique. Attends, deux secondes. Qu'est-ce que ça, c'est ? Mais qui ? Mais... Excuse-moi. Donc, toi, tu le mets dans... Je l'ai mis dans Bombe Atomique parce que voilà, parce qu'on était en désaccord sur un film. Donc, du coup, là... Vu que j'avais penché dans ton sens la première fois, là j'ai penché du mien. Mais j'ai entendu tout ce que tu dis. Ouais, mais alors moi je trouve que justement tous ces effets c'était pas cinégénique. Eh bien, ça rendait pas quelque chose de. Attends deux secondes. Excusez-moi. Je reviens dans 20 secondes. Il n'y a pas de problème. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord, les enfants. Hein, je trouve ça. Alors, qui est-ce qui aime ce film dans le chat? Voyons un peu. Alors, est-ce qu'on a vu Speed Racer? Évidemment, c'est de la bombe, Speed Racer. J'adore Speed Racer. Putain, je veux une version 3D de Speed Racer. C'est vraiment le film en 3D que je veux le plus voir. Ah, ce Hulk est bien. Voilà. Hulk ressemble à une grosse sauterelle, c'est pas faux. Direct dans la fosse sceptique, à chier. Rendez-moi Lou Ferrigno. Oh là là, vous êtes durs, les cocos. Hein. Oui, c'est vrai que Zoltan le démonte un petit peu. Ah, Noël. Tu me fais plaisir, Noël. J'ai revu finalement, il est pas mal, très imaginatif. Non, mais c'est incroyable. Hein. Moi, je trouve que la réalisation de ce film, elle est dingo, quoi. Vraiment, quoi. Bourré d'idées, c'est vrai. De la bombe, bombe atomique de Ang Lee, merci Bill. Moi, je suis là-dedans. Gros ovni. Là, tu vois, c'est partagé dans le chat, David. Hein. Excusez-moi. Je t'en prie. Tu vois, c'est partagé dans le chat. Il y en a qui trouvent que c'est de la grosse bombe et il y en a qui trouvent que c'est de la merde. Et donc, je dirais que ça, c'est la caractéristique des grands films quand ça divise. Ah oui, sûrement. Hein. Non, mais je peux comprendre qu'on adore ce film, il n'y a aucun problème. Alors, ça n'a pas fonctionné sur moi. Alors, Je t'en prie. Alors, écoute, maintenant, on va passer à du très, très lourd, à du surpuissant. Attention, ouais. Les gars, hein, avec les abdominaux en je synthèse. Je sens que c'est ironique. Écoute, on verra ce que j'en pense. Attention, les gars. Ouh, Ghost Rider. Alors ça, tu sais quoi? Ouais, yeah. on pourrait dire que c'est de la grosse merde, mais quelque part, c'est tellement n'importe nawak que moi, j'ai pris un petit peu de plaisir à regarder ce film. Ça m'a bien fait délirer, parce que j'ai quelque part, j'aurais toujours un petit peu de, comment te dire, de compassion pour Nicolas Cage. J'aurais toujours un petit peu de... je suis prêt à lui excuser des grosses daubes. C'est pas parce que c'est Nicolas Cage. Parce que c'est Nicolas Cage et qu'il me fait kiffer, même si des fois il fait des prestations, des performances outrancières, il me fait kiffer là. Et là, je trouve que, tu sais quoi, c'était pas mal Ghost Rider. Mais je l'ai vu qu'une fois, hein. Mais ouais, moi j'ai envie de le défendre, Ghost Rider. J'ai envie de dire que c'était cool, quoi, ce mec qui fait de la bécane. Dans des cirques, hein, c'est ça? Dans des... Ouais, complètement. Sous un chapiteau. Et il pactise, attends, c'est parce que je ne me rappelle plus vraiment de l'histoire, il pactise avec le diable et il devient justicier. Enfin, je ne connais plus trop l'histoire. Mais... Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Et voilà, c'était super kitschos, mais
Mais je crois que c'est assez fun à regarder, finalement. C'est assez plaisant. Et d'ailleurs, je vois qu'il n'y a plus le blister, donc tu ne peux pas faire semblant de ne pas l'avoir vu. Ah non, 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 mais moi, je l'ai vu au cinéma. Et alors, moi, je suis comme toi. Moi, je suis un gros, gros fan de Nicolas Cage. Et moi, j'ai kiffé ce film au cinéma. J'ai vraiment kiffé. J'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. J'ai pas compris pourquoi il s'était fait défoncer autant, tu vois. Et en plus, il y a Eva Mendes qui est en mode atomique. Enfin, c'est invraisemblable. Et puis ouais, j'adore quoi, le côté bécane en feu avec la tête en feu. Enfin, c'est complètement ouf. Et non, je le trouve plutôt sympathique ce film. Vraiment, moi j'aime bien. Donc comme on fait pas dans la demi-mesure, je pense qu'on va le classer en grosse bombe à neutrons intersidérale. Absolument, chef-d'œuvre absolu, Ghost Rider, chef-d'œuvre absolu, on l'a dit. C'est magnifique. Alors attention, maintenant on va passer à Ghost Rider 2, l'esprit de vengeance. Non mais attends, t'es sérieux ? Bien sûr. Il y a eu un Ghost Rider 2 avec Nicolas Cage ? Oh oui, avec Nicolas Cage, oh oui, en 3D mais, s'il vous plaît. Alors ça, tu sais quoi, mec, je ne l'avais même pas vu, quoi. Je ne savais même pas que ça existait. Attends, et dedans, tu sais qui il y a Christophe Lambert. Oh là 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 là, ça doit être du lourd. Ah non, mais ça doit être du lourd, ça. Non, mais ça, je veux voir ce film tout de suite. Attends, mais... Et c'est réalisé par les deux mecs, la Neveline et Taylor, les mecs qui ont fait Crank. Crank. Tu sais, hypertension avec Jason Statham. Je ne l'ai pas vu. Tu n'as pas vu ? Ah, c'est dommage, ça te plairait. Et alors, c'est un film qui a été réalisé pour, je crois, la moitié du budget du premier, tu vois. Le film est en 3D, il est tout cheap, tout mal fait, tout dégueulasse. Et tu vois, c'est vraiment le 1, c'est ce que tu as vu avec la petite jaquette qui est en 3D. Et c'est mais nul à chier. Donc, comme tu ne l'as pas vu, on ne va pas s'étendre beaucoup plus. Et je crois que de toute façon, à chaque fois qu'il y a un film avec Christophe Lambert dedans, ça finit au fond des chiottes. Hein. Souvent au fond des chiottes. Ouais. Je crois que Christophe Lambert, il a vraiment la carrière la plus médiocre de toute l'histoire de l'humanité. Quoi. C'est hallucinant. Quoi. Et en plus, à chaque fois, on fait arrête, il a fait Subway, Greystoke, Highlander. Mais en fait, tu revois Subway, franchement, c'est sympa, mais vite fait. Et tu revois Greystoke, mais c'est nul! Genre, tu tapes des barres tellement c'est mauvais, quoi. Mais par contre, Highlander 1, c'est un putain de chef-d'œuvre. Là, je suis d'accord. Il aura fait au moins un chef-d'œuvre. Donc, Ghost Rider 2, je te le prêterai, hein. Non, non. Ouais. Mais on est au fond des chiottes. Ah oui, tu peux le balancer au fond des chiottes. Tu peux même pisser dessus avant de tirer la chasse, si tu veux. Mais tu as oublié Fortress, quand même. C'était sympa, Fortress, avec Christophe Lambert. Ouais, mais c'est réalisé par Stuart Gordon. C'est vrai, mais c'est quand même un petit navet. Enfin, tu vois, c'est une série B, quoi. C'est sympathique. Ouais, mais c'est une bonne série B. Je trouve que ça fonctionne. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Je trouve que ça fonctionne. Parce que sinon, à ce compte-là, moi, je te sors Mean Guns. Hein. Revois Fortress. Tu ne l'as pas vu depuis longtemps. Je te jure que ça fonctionne. Non, mais je l'ai vu plein de fois, Fortress. Donc, j'aime bien Fortress. Mais est-ce que tu as vu Fortress 2 de Geoff Murphy Non, celui-là, je ne l'ai pas vu. Dans l'espace. C'est un des plus mauvais films que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est incroyable. Et c'est avec Christophe Lambert aussi? Ouais, bien sûr. Évidemment. Voilà. Il est même sorti au cinéma en France. Oui, mais c'est comme les Starship Troopers 2, Starship Troopers 3, c'est des navets. C'est des téléfilms, alors que là, c'est des films. Alors attention, David, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouh, celui-là, c'est de la bombe. De la bombe, celui-là. Ouais. X-Men First Class. Ouais. Pourquoi? Pourquoi c'est de la bombe? Développe. Parce que c'est réalisé par Matthew Vaughn. Eh oui. Énorme, Matthew Vaughn. Énorme. Énorme, ouais. Énorme. Et non, mais parce que là, je trouve que l'arc narratif des personnages, il est hyper intéressant. La relation entre Magneto et Charles Xavier est à la fois touchante, émouvante. Et en même temps, plein de contradictions. On est à la fois pour l'un, à la fois pour l'autre. On comprend les deux. On comprend qu'ils vont deux. Tu vois, on a l'origine de leur animosité. C'est passionnant à regarder. Le méchant incarné par Kevin Bacon, il est mortel.
dès la scène d'intro, d'ailleurs, qui se passe aussi dans un camp de concentration, qui est mortel. Et donc voilà, méchant qui défonce, les personnages hyper bien développés, leurs relations, tout. On voyage en plus dans le film, on voyage pas mal. Et puis en plus, voilà, ça aborde une page de l'histoire américaine, moi, qui me fascine, c'est la crise des missiles cubains avec John Fitzgerald Kennedy, tout ça, 1962. J'adore cette époque. Et donc, voilà, il y avait trop de choses dans ce film que j'ai kiffé pour le foutre comme un chef-d'œuvre absolu. Bien sûr, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que je rajouterais juste que c'est incroyablement bien réalisé, mais j'adore le style de ce mec, mais vraiment, quoi. Je l'avais repéré instantanément avec Layer Cake. J'ai vu Layer Cake, je me suis dit, putain, mais c'est qui ce mec, quoi? C'est qui ce gars? Comment il est réel et tout, vraiment? Et puis alors après, quand on s'est pris les Kingsman, bah, je fais, c'est pas possible, quoi. C'était la casse. Mais vraiment, ouais, chef-d'œuvre absolu et intemporel du 7e art. X-Men, le commencement. Pas de demi-mesure. Pas de demi-mesure. Très bien. Vive alors, le manichéisme. Et alors ensuite, X-Men, ah bah Days of Future Past. Of Future Past. Ah, ben je l'ai... C'est Bryan Singer, n'est-ce pas? Ouais, c'est Bryan Singer qui revient aux affaires. Et celui-là, je l'ai adoré aussi. Celui-là, je l'ai adoré. Ouais. Parce que déjà, il y a un concept... Il y a le concept du voyage dans le temps qui est quelque chose qui me fascine toujours et dont je suis extrêmement friand. Qui est très très bien fait par rapport au dernier Avenger, par exemple. Parce que là, ils exploitent vraiment le truc de façon intéressante, quoi, scénaristiquement, narrativement. C'est vraiment c'est vraiment développé, quoi. C'est vraiment ça a un sens. Et puis, celui-là était mortel aussi. Hein. Celui-là était vraiment, vraiment bien. Bryan Singer, voilà, qui fait toujours une réalisation très, très classe, qui donne de l'ampleur, qui arrive à donner un ton très dramatique, très sérieux au bon moment, voilà, qui ne tombe pas dans la blague potage facile. Et puis Hugh Jackman, il est énormissime, encore une fois, dans ce film. Ouais, je crois que c'est mon X-Men préféré avec Hugh Jackman. Le Hugh Jackman dans ce film, il est dingue, j'adore. Oui, parce qu'il n'était pas dans le précédent. Non, c'est de la boue. Il fait juste un fuck comme ça. J'adore. C'est vraiment mortel. Enfin, c'est ultra bien réalisé. Le concept de base est mortel. C'était cool qu'ils aillent repêcher Bryan Singer. Et puis, voilà, on ne va pas s'attarder plus que ça. La 3D est pas mal du tout, d'ailleurs, ce qui n'est pas souvent le cas. Mais là, franchement, la 3D est vraiment agréable. Et puis surtout, il y a l'une des meilleures scènes qu'on ait vues dans un film de super-héros, quand même. À savoir. C'est la scène au ralenti quant à Quicksilver qui fait tout le tour de la cuisine en écoutant sa musique et avec les balles de revolver qui fusent de partout, et puis lui, tu vois, il place les personnes... Tu te rappelles de cette scène, là, de ouf ? Bien sûr, ça défonce. C'était une scène digne de l'intro de X-Men 2, tu vois, c'était... Bien sûr. D'ailleurs, c'était le seul truc qui était bien dans celui d'après, parce qu'ils ont repompé la scène, mais là, oui, c'était... Oui, mais moins bien. C'était moins bien dans celui d'après. Ouais. Alors, très bien. D'accord. Donc, grosse bombe atomique, chef-d'œuvre du 7e art. Chef-d'œuvre du 7e art à intégrer au patrimoine de l'UNESCO. Vas-y. Alors attention maintenant, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors ça, c'est une grosse bobasse. avec un méchant en carton-pâte ou alors sorti tout droit d'un cosplay du Comic-Con. Le méchant tout pourrave. L'histoire toute pourrave, et pourtant c'est réalisé par Bryan Singer, on se demande ce qui s'est passé à ce moment-là. Il n'était pas inspiré, et ça n'a pas fonctionné. Enfin, je m'en rappelle plus trop du film, mais juste que le méchant était tout naze, l'histoire, tout, le scénario.
Spécial. Moi, j'ai entendu des anecdotes sur ce film, comme quoi c'est là où vraiment Bryan Singer il a commencé à avoir la justice qui s'intéressait à son petit cul et voilà, au truc un petit peu qu'il pouvait faire avec les jeunes hommes, apparemment, qui n'étaient pas très, très reluisants. D'ailleurs, il était très, très ami avec notre ami Kevin Spacey. Et donc, je trouve que voilà, ça sent un peu qu'il était dans la merde. Et d'ailleurs, voilà, il y a des rumeurs qui disent que en fait, il venait sur le plateau et puis, en fait, il shootait pas. En fait, il arrivait et puis il disait non, mais allez-y, shootez, c'est bon. Et puis il se barrait. Tu savais pas où il était. Et parfois, il se barrait pendant des jours. Pendant des jours, il venait pas. Tu vois, c'était le Real seconde équipe qui faisait le film. Et en fait, c'est ce qui s'est passé également sur Bohemian Rhapsody. Et c'est ouais, pour c'est ça. Ah ouais, et c'est pour ça qu'ils l'ont viré en fait. Au bout d'un moment, ils lui ont dit bon, t'es mignon, je sais pas, il doit être à mon avis complètement sous cocaïne, je sais pas ce qui se passe quoi. Mais je pense que c'est un toxicomane. Doit y avoir un truc comme ça. C'est un film de toxicomane ça, parce que c'est pas possible de passer du truc d'avant à ça comme ça sans qu'il y ait une raison. Enfin, tu vois. Et donc voilà, c'est le début de la déchéance de Bryan Singer, et je pense que on ne va pas se reprendre de films de Bryan Singer avant un petit moment. Allez, ouais. Voilà. Donc on le met au fond des chiottes. Hein. Ouais. Ah oui, celui-là au fond des chiottes. Ouais. Allez. Et tu disais c'est dommage parce que. Oui, non, mais c'est dommage parce que ça reste un très bon réal. Et oui, comme tu dis, je pense pas qu'on va le revoir d'aussitôt. Enfin, voilà, quand il s'y met, il peut faire des très bons trucs. Hein. Moi, j'avais même beaucoup aimé Valkyrie, par exemple, avec Tom Cruise. Mais attends, le salut nazi avec le moignon, quoi. Non, mais c'était incroyable. J'adore Valkyrie, je trouve ça génial. C'est ouais. Ah ouais. Alors maintenant, on va passer. Alors moi, je vous le dis d'entrée. Hein. Je vous le dis d'entrée, les petits enfants, je le mets au fond des chiottes parce que j'ai même pas envie de développer, mais j'aimerais avoir ton avis. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que c'est ? Ah, The Amazing Spider-Man. Eh ben, écoute. Non, moi je le mettrais pas au fond des chiottes. Je trouvais que c'est clair qu'il est en dessous de, pour moi, de ceux de Sam Raimi. Mais comment il s'appelle, Edouard, comment il s'appelle, oh, j'ai un trou, l'acteur quoi, qui joue Spider-Man, qui jouait dans Social Network, voilà, bref. Oui, oui. Et je le trouve plutôt sympathique. Je trouvais le film plutôt bien fait. Non, je trouvais que le film était plutôt intéressant, oui, voilà, Andrew Garfield, pas du tout Edouard, qu'est-ce que je raconte. Andrew Garfield, merci les gars. Voilà, Andrew Garfield. Mais comment te dire, moi, ce qui m'a dérangé dans cette version-là de Spider-Man, c'est que le personnage, il est quelque part, il est trop cool, il est trop beau gosse, il est trop stylé, tu vois. C'est pas Tobey Maguire quoi, c'est pas le Peter. Après je sais pas comment c'est, moi je suis pas un fan de la BD et je suis pas un grand connaisseur de la BD, mais moi ce qui me plaisait dans les Spider-Man de Sam Raimi, c'était que le personnage c'était pas le beau gosse du lycée, tu vois, et le mec qui assurait avec les meufs, alors que là dans cette version là le mec voilà est plutôt, enfin il est quand même un peu plus beau gosse que Tobey Maguire, il est là, il fait du skate, il est tu vois, c'est le brun un petit peu cheveux longs, qui tchatche un peu avec les meufs, enfin, c'est plutôt un personnage qui assure, je dirais, et ça m'a moins plu, voilà. Ça m'a moins intéressé, et puis mais sinon voilà, je trouve que même la musique elle était vraiment pas mal. Je crois que c'est James Horner qui a fait la musique. Et dans ce genre de film, c'est très important. Et là, pour le coup, il a développé des thèmes assez marquants. La musique était vraiment intéressante, en tout cas beaucoup plus que sur les Spider-Man Homecoming et du MCU et tout, je trouve. Et voilà, donc un film correct. Voilà. Mais je ne l'ai pas acheté en Blu-ray, tu vois, par exemple. Il y a Clapman qui dit, et il y a Emma Stone surtout. Oui, il y a Emma. Salut Clapman. Et oui, bah oui, il y a la femme de Clapman. Il y a la femme de Clapman qui est. Bah est-ce que quelque part Emma Stone ne relève pas un peu le niveau du film? Si, moi parce je trouve que c'est la seule chose à sauver de ce film. Moi je trouve que c'est réalisation téléfilm,
le méchant pourrave, les scènes d'action nulles, la 3D à chier, l'humour ras du plafond, c'est vraiment filmé, on dirait une série télé de merde, non mais vraiment, c'est pas possible. Et là, tu le revois, parce que moi, à l'époque, ça avait fait plus ou moins illusion, parce qu'on découvrait Andrew Garfield, mais tu le revois maintenant, tu tombes de 4 étages, comment c'est de la merde, hein. Le lézard, c'est tout pourri et tout, quand il se fait piquer par l'araignée et tout, le vieux truc avec la photo fluo et tout, non mais franchement, c'est pas possible, quoi. La musique, je m'en rappelle pas, très sincèrement. Mais si, non. La musique était pas mal quand même. Il y avait des moments épiques. La musique arrivait à donner du souffle. Mais alors toi, tu le mettrais dans quoi ? Tu le mettrais dans le fond des chiottes ou alors parce que... Non, je le mets pas dans le fond des chiottes quand même parce que c'est pas de la musique. Tu le mets dans le chef-d'œuvre absolu donc. C'est un film moyen plus, donc je le mets comme un chef-d'œuvre absolu du 7e art et de l'art cinématographique. Parce qu'il y a quand même, non mais attends. T'avais pas été impressionné quand même par certains plans, tu sais, qui te plaçaient en vue subjective de Spider-Man qui courait sur les toits et qui envoyait sa toile. Franchement, ça c'est un problème. Pareil, ça. C'est ça fait trop jeu vidéo. Non, je trouvais ça super ce plan. On le voyait dans la bande-annonce. Il durait hyper longtemps et c'était cool. Sauf que dans le film, ça, il est coupé le plan et ça dure 10 secondes. Et c'est, alors que dans le teaser, c'était hyper bien, et dans le film, c'est dehors des sûr même. Ah ouais. Je suis sûr, évidemment que je suis sûr. Non. Ah ouais, non, mais ok. Non, Puis, moi, j'étais dégoûté parce que Sam Raimi nous avait teasé le lézard pendant les trois premiers épisodes. Et puis là, c'est pas possible. Quoi. Non, franchement, je le mets en battement. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé, donc on va voir si on est en désaccord. Et sinon, on demandera au chat de. Alors le fous pas dans le trou des chiottes, tu le jettes par la fenêtre et puis voilà, c'est tout. Voilà. Alors, comme ça, il n'est pas définitivement perdu. Attention maintenant, c'est toi qui commence. Ouais, alors ça, par contre, c'était de la grosse merde. Ouais. Ça, oui. ça, c'était tout pourri. Mais il y a Emma Stone. Oui, mais d'ailleurs, c'est le seul truc de bien dans le film, c'est. Je spoil, hein, désolé, mais c'est la. Oui. Non. C'est pas ça que je voulais dire. C'est que je spoil la fin. Bon, c'est pas grave, hein, puisque de toute façon, le film est merdique. Mais c'est le fait de faire mourir Emma Stone. Ça, c'était c'était quand même culotté. C'était quand même. C'était dans la BD d'origine. Peu importe. Les BD, tu sais, les BD, ils font mourir. Enfin, ils font mourir les personnages, ils reviennent au numéro d'après. Enfin bon, enfin tu vas me dire les films ça peut être pareil, mais bon là, enfin un peu moins. Quand même. Jamie Foxx a déjà vu Jamie Foxx cachetonné plus que dans ce film, c'est pas possible. Jamie Foxx là, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis alors là, dans le genre multiplication des méchants qui servent à rien et tout, c'est une catastrophe. C'est qui ? Il y a le rhinocéros, il y a le bouffon vert encore une fois, qui est interprété par Valérian. C'est l'acteur qui joue dans Valérian. Ah oui, oh là là, c'est une catastrophe cet acteur. Et puis Jamie Foxx avec un brushing, tu sais, qui surjoue. Et ils sont au théâtre, tous. ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. Non, c'est pas possible, franchement. Ah ouais, c'est une catastrophe, ce film, c'est une catastrophe. Et je crois qu'en plus, c'était la musique de Hans Zimmer. Et la musique, pareil, la musique était toute pourrie. On aurait dit... C'était à l'image du personnage, la musique, on aurait dit un truc électrique, enfin on aurait dit un champ électrique survolté et qu'on aurait enregistré avec un magnétophone et balancé dans le film. Enfin, donc chef-d'œuvre du 7e art ou trou des toilettes ? Ah ça c'est le trou des toilettes avec une bonne. Tu peux même péter dessus, voilà, avant de tirer la chasse. C'est bien, très bien, je suis d'accord avec toi. Alors attention, on poursuit maintenant, on va essayer d'aller vite. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça ? Celui-là c'est de James. Ah non, pas du tout. Attends, lequel c'est celui-là ? Ah non, celui-là il est pourri. C'est celui où il coupe du bois au Canada, c'est ça ? Ah ouais, je sais plus, je m'en rappelle plus. Ah, je m'en rappelle plus, mais je crois que c'était. C'est celui avec Liv Schrader là. Ouais, non, c'était nul. Oui, c'était naze. Ouais, je m'en rappelle plus. Je me rappelle qu'il coupe du bois au Canada et que ses griffes et que même les griffes. Ouais, c'est réalisé par Gavin Hood, en plus un bon réalisateur en plus. Mais là, il s'est complètement chié dessus. Et il y a, je crois, il y a Ryan Reynolds qui joue aussi dans le film, qui fait le rôle
dites-moi dans les commentaires. Il fait pas Deadpool. Mais je crois qu'il fait Deadpool déjà, ouais, mais en mode chelou. Ouais, en mode brûlé. Enfin, on le voit pas en Deadpool, je crois, on le voit que brûlé. Enfin, voilà. Donc ça, c'était un peu le film de la honte pour Hugh Jackman. Hein. Ouais, voilà. même les griffes étaient. Ouais, non, c'était vraiment de la merde. Allez, on passe, hein. On s'en va les reins. Allez, ouais, fond des chiottes. Allez. Bon, ensuite, ils se sont un peu rattrapés. Ils nous ont fait ça. Ouais, celui-là était pas mal. Celui-là est. Ah, moi, c'est mon préféré, figure-toi. Moi, je préfère que Logan. Ah ouais, non, quand même pas. Non, mais je suis d'accord. Mais d'ailleurs, c'est le même réalisateur. Ouais, c'est James Mangold. Ouais. J'adore d'ailleurs James Mangold. Oui. Ah bah ouais, Le Mans 66. Copland. Line, Copland. Ouais, c'est excellent. Ouais, non, mais celui-là était pas mal. Je me rappelle qu'il y avait un combat de samouraï à la fin, bien énorme. Ouf. Exceptionnel. Et l'histoire d'amour, tout, le fait que ça se passe au Japon, c'est hyper dépaysant. Ouais. Non, c'est. Il est sauvable. Et il y a un cut. Plus violent, version Director's Cut où vraiment ça charpe et tout. Non, c'est mortel. Hein. Franchement, moi, j'adore ce putain de film. Donc, comme on ne fait pas dans la demi-mesure, hein, mon cher, je te laisse annoncer le. Ah non, on n'a dit pas de demi-mesure. Là, tu es encore dans la demi-mesure. Hein. Allez, dis-le. Oui. Alors, le Wolverine, le combat de l'immortel, est un chef-d'œuvre absolu du 7e art, rangé parmi les plus grands classiques. Et d'ailleurs, il sera bientôt édité chez Carlotta. Vas-y. C'est vrai. Alors attention, maintenant on passe à Logan. Alors je vais commencer, Logan. Moi, Logan, j'étais un petit peu déçu parce qu'on l'a tellement survendu en disant « Putain, c'est le meilleur film de super-héros, c'est incroyable, c'est génial, c'est dingue. » Quand j'ai vu que ça se passait dans le désert… et que ça durait 3 heures, qu'il n'y avait pas d'action et que tu disais moi j'étais vraiment assez déçu. Je trouvais que c'était très bien, hein, le film est cool, il n'y a pas de souci, hein. Et puis voilà, la relation père-fille est très intéressante. Je trouve que lui, il a beaucoup de charisme, etc., et que c'était une très belle façon de finir le perso. Mais je t'avoue que je trouve que ça met quand même du temps à démarrer. Et que formellement, je m'attendais à plus ouf. Donc voilà, c'est un très bon film. Si on ne l'avait pas bassiné avec, j'aurais sûrement plus apprécié. Mais je t'avoue que ouais, j'étais un poil ou déçu. Qu'en penses-tu ? Non, moi j'ai beaucoup aimé, mais je ne dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, même si on va le dire juste après. mais non, je n'ai jamais considéré que c'était un chef-d'œuvre, mais un très bon film. Qui prend son sujet au sérieux, qui lui donne une dimension de western excellente, et puis la relation comme tu dis père-fille avec l'enfant, ça m'a rappelé, tu sais, un petit peu l'enfant sauvage de Truffaut. Lait. Ouais. Qu'est-ce qu'il est mauvais Truffaut dans ce film en tant qu'acteur. Il joue mal, c'est incroyable. Dans l'enfant sauvage. Dans quel film il a été extraordinaire. Rencontre du troisième type parce qu'il est dirigé par Spielberg. Ouais, bon, et encore, c'est pas sa grande force. Hein. Non, mais il est vachement bien, parce que sinon c'est pas possible. Il est bien, mais c'est pas non plus. Voilà. Mais par contre, en tant que réal, voilà, c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce que. Ouais, donc l'enfant sauvage de Truffaut, moi je trouvais ça super touchant. Cette relation, et la petite, elle joue super bien. Lui, c'est un personnage brisé. On est vraiment plongé dans un réalisme totalement différent de ce qu'on a vu dans tous les autres X-Men. On est limite, là, pour le coup, plus proche de Christopher Nolan dans la façon d'implanter un univers surréaliste dans un monde réaliste. Et ça m'a bien plu. Ouais, non, j'ai trouvé que. Mais je suis d'accord, il y a peut-être quelques petites longueurs à un moment donné dans le film. Mais l'émotion, moi, m'a embarqué au final, la relation avec Charles Xavier, tout ça. Je trouvais que la réalisation était très classieuse, très soignée.
Et voilà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il prenne son sujet au sérieux. Ok. Et est-ce que tu as vu la version noir et blanc? On me demande dans le chat. Moi, je ne l'ai pas vu. Pas du tout. Moi non plus, j'aimerais bien voir, mais je ne comprends pas tellement le concept des versions noir et blanc, moi, je vous avoue. À moins que le film ait été cogité comme ça à la base, je ne sais pas. Moi, j'aime bien la couleur. Enfin, je ne sais pas, c'est parce que c'était, tu sais, une repompe du Mad Max, où c'est George Miller, pareil, qui a dit « Mais putain, mais c'est trop beau, la photo de Mad Max, je ne vais pas le voir en noir et blanc, moi. » Le Fury Road, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais, ouais, grave. Donc, je ne comprends pas trop, mais bon, écoute, pour le vendre, peut-être plus, mais c'est assez bizarre. Et voilà. Ah oui, et qu'est-ce que tu penses du fait… Aurélien, excuse-moi, non, juste Aurélien qui balance « Je ne sais pas, mais c'est beau ». Et tu sais, c'est la réplique de Truffaut dans Rencontre du troisième type. Et c'est vrai que ça m'a toujours fait rire, cette réplique. Je ne sais pas, mais c'est beau. Ouais, c'est et attendez, je reçois des informations. Attendez, écoutez. Écoutez. Attendez, je reçois des... Ah, on m'a dit The Mist en noir et blanc vaut le coup. Bah, putain, mais c'est pas oui. The Mist. La photo, elle est tellement belle. J'ai pas envie de le voir en noir et blanc. Enfin, bon, bref. Ouais, non, à la limite, c'est plus légitime, je trouve, pour The Mist en noir et blanc. D'ailleurs, je l'ai en noir et blanc, si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Attends, Beauparleur nous dit il y a des moments clairement hein, pour le noir et blanc de Mad Max. Ouais, bah écoute, je sais pas. Je le verrai peut-être par curiosité un jour. Et qu'est-ce que tu penses, David, du fait que ce soit peut-être James Mangold qui réalise Indiana Jones, Indiana Jones 5 Indiana Jones. C'est Steven Spielberg et c'est tout. Arrêtez, faut arrêter. Et Indiana, il n'y aura pas d'Indiana Jones. Il n'y aura pas. Tu y aura pas. Mais oui, tu vois pas qu'en vérité, depuis des années, là, depuis 4-5 ans, il retarde l'échéance, il trouve toujours des excuses, des trucs. Je suis sûr que Spielberg fait tout pour que ce film ne se fasse pas, en vérité. Ah ouais. En sous-main, comme ça. Il fait en sorte que ça ne puisse pas aboutir. Parce que là, attends, ça y est, c'est trop tard maintenant. Il a 80 balais, ça y est. Non, mais autant dans Indiana Jones 4, franchement, l'illusion marchait bien, quoi. Harrison Ford, il avait quoi? Il avait 70 ans. Ça passait encore. Je trouve que ça passait encore. Enfin, je veux dire, si le film avait été bon... Enfin, le film aurait pu être bon, c'est ça que je veux dire. C'était pas ridicule. Mais là, non, mais là, il faut arrêter. Et puis, c'est des films d'une époque, c'est des films qui sont inscrits dans les années 80. C'était une façon de tourner les films, une façon de les réaliser. Et on a bien vu, même en 2008, que d'essayer de faire revivre Indiana Jones, ça ne marche pas parce que les techniques ont évolué, ça n'a plus le même charme, ça n'a plus les mêmes... Il ne faut pas faire ça, il faut faire autre chose. C'est vrai. Laissez Indiana Jones tranquille, ça y est, c'est fini. Je suis d'accord, mais s'ils le font, je serai le premier à aller le voir en salle le premier jour. D'abord, j'ai déjà de le dire. Donc du coup, c'est un chef-d'œuvre absolu du 7e art, on est bien d'accord. Oui, c'est un chef-d'œuvre absolu, arrangé parmi les plus grands films du monde entier. Très bien. Alors ensuite, nous allons passer à ça. Tiens, ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Tiens. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Alors ça, j'ai détesté. Voilà. J'ai trouvé, alors donc si comme on est totalement manichéen, je dirais que c'est une grosse daube à foutre dans le trou des chiottes et à caguer dessus et après tirer la chasse. Pourquoi? Parce que non mais j'ai pas du tout aimé j'ai pas du tout adhéré au ton du film et au personnage. Je l'ai trouvé d'une lourdeur abyssale. C'est sympa de briser le quatrième mur et de faire le couillon. Et je sais que c'est un film qui a beaucoup plu, hein, mais moi, c'est pas du tout ma cam. Voilà, c'est la pantalonnade, c'est voilà, on s'amuse, on fait les cons, et finalement, on raconte pas grand-chose, alors qu'au début, je trouvais que ça partait plutôt pas mal, parce que finalement, il y avait tout un truc avec sa femme, et lui, il a cette maladie, qui est comme une sorte de cancer, et tout, ça aurait pu donner quelque chose de forme, et tout ça est complètement... Tout ça part complètement en fumée à partir du moment où on rentre dans le vif du sujet, dans l'action, et tout ça. Et puis moi, je trouve pas que le réalisateur, ça soit un virtuose de l'action. Je sais pas, je trouvais ça naze. C'est gris, c'est moche. Je n'ai pas du tout aimé. Voilà. Désolé. Bien, je t'en prie. Alors moi, eh bien, vous savez, hein, grâce à Film Talker, d'ailleurs, moi, j'aime bien ce réalisateur. J'aime bien Terminator, le dernier Terminator, Dark Phoenix. Et j'aime bien Deadpool. Moi, je trouve ça cool.
Je trouve que c'est très bien réalisé. Je trouve qu'il y a plein d'idées formelles excellentes. Je trouve évidemment, oui, le personnage un peu vulgaire et faussement irrévérencieux, comme on l'a dit dans le chat. Mais je trouve que ça marche quand même pas mal. J'aime bien. Oui, voilà, c'est exactement ça. J'aime bien surtout au début le générique avec réalisé par un connard surpayé. Ça, j'ai trouvé ça quand même assez gonflé de le dire. Et voilà. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est que c'est construit comme une sorte de sketch du Saturday Night Live. Ouais. Et au bout de 20 minutes, moi, ça me gonfle, quoi. En fait, j'en ai rien. En fait, à force de briser le quatrième mur, il n'y a plus de mur, quoi. Enfin, c'est fini. J'ai envie de me casser, quoi. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu vois, par exemple, le 2, je ne l'ai pas. Parce que le 2, j'ai trouvé que c'était ça. Le 2, j'ai trouvé que c'était nul et que c'était une parodie du 1, que ça ne marchait plus. Mais par contre, le 1, je trouve que ça fonctionne. Et je trouve que c'est divertissant. Je trouve que le seul problème, c'est que c'est un peu cheap. Ils n'ont pas eu beaucoup de budget. Et ça se voit un peu, tu vois, même quand il va chercher deux pauvres X-Men, Colossus et l'autre, là. C'est voilà, au niveau des scènes d'action à la fin, c'est un peu fond vert dégueu, pas terrible. Alors que le début, on voit du très lourd. Donc voilà, moi j'aurais préféré qu'on lui donne encore plus de pognon, qu'il fasse encore plus péter. Et puis non, moi j'ai bien aimé. Puis surtout, voilà, quoi, au bout d'un moment, on se prenait toujours tout le temps les mêmes Marvel. Ça faisait un peu du bien de voir un truc un peu différent, avec un petit peu de personnalité quand même. Donc qu'est-ce qu'on fait alors du coup? Bah, je sais pas, écoute. On le jette pas dans les chiottes, mais on peut lui pisser dessus quand même. Bah écoute, allez, le premier dans le chat, le premier dans le chat qui répond, c'est verdict. C'est lui, voilà, il a. Alors, est-ce qu'on le met dans les chiottes ou pas? Alors, personne ne répond. Ah non, de la bombe. De la merde. De la merde. Adrax. Ah bon? Ah, de la bombe, Laurent, pardon. Laurent Touraine, très bien, de la bombe. Eh bien, très bien. Eh bien, du coup, on met des Amazing Spider-Man dans le fond des chiottes. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben non, toi, tu l'aimais bien. Alors, du coup, on le met dans de la bombe. On met le Amazing Spider-Man dans de la bombe et on met le Deadpool dans de la bombe. Dans les chiottes. Excuse-moi. Alors, du coup, on garde. Ah ben non, parce qu'on n'était pas d'accord. Voilà, donc je mets The Amazing Spider-Man dans de la merde et je mets Deadpool dans de la bombe. Voilà. Alors attention, et puis Deadpool 2, on le met au fond des chiottes, on est bien d'accord. On n'en parle même pas, parce que c'est pas possible. Mais je pense que oui. Voilà. Et alors attention, maintenant nous arrivons à un film, c'est le premier film, ah non, le deuxième, mais c'était incroyable. Une des séances de ciné que j'ai le plus kiffé. Pourquoi? Parce que je l'ai vu en 4DX. C'était la première fois que, enfin, la deuxième, du coup, que j'allais voir un film en 4DX. Et là, c'était vraiment top. Alors, attention. Qu'est-ce que je vais vous sortir? Je vais vous sortir. Ouh! Venom. Yeah. Tom Hardy. Alors, est-ce que tu as vu ce film? Ouais, j'ai vu ce film. Eh ben, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est quand même, il est marqué Venom ici. Ouais. Bah, je... Fais voir. Ah oui, d'accord. Ouais. Oh, bah, tu vois, ça, c'est rien que l'affiche est plus recherchée que deux heures de film. Que le film. Non, pour moi, il n'y a rien qui fonctionne dans ce film. Le héros, je veux dire Tom Hardy, là, il s'est totalement perdu, où il a pris quelques lignes de coke avant de rentrer sur le plateau, je ne sais pas ce qui s'est passé, où il s'est trompé peut-être de plateau, il a cru qu'il tournait la suite de Food Irene 2 ou de Menteur, je ne sais pas. Et voilà, il n'y a rien qui fonctionne, c'est ridicule. Il y a des scènes voilà, embarrassantes, comme celle du restaurant où il attrape des homards dans des aquariums. Et en 4DX, ça devait être marrant, hein, cette scène. Et donc voilà, c'était, pour moi, c'était une catastrophe. Hein. C'était un ratage total. L'intérêt amoureux, aucun intérêt, justement. Et puis il y a une espèce de scène de partouze. À la fin, enfin, je crois qu'il y a une partouze dans les bois. On se demande si c'est même pas Lars von Trier qui a voulu faire un concept. On pourrait croire que c'est une scène coupée de Antéchrist.
où finalement il y a c'est Venom qui est à la fois un étron et à la fois qui essaye de toucher sa femme. Enfin bon, c'est une merde. Voilà. Un étron. Alors moi, je vais le classer aussi dans grosse merde, mais quand même, là où je ne suis pas d'accord avec la plupart des gens, c'est que moi je trouve Tom Hardy bon. Moi, comme je disais dans ma critique de Capone, ça passe ou ça casse avec Tom Hardy, c'est un acteur qui va à donf, quoi. Et non, pour moi, je sais pas si c'est parce que les gens l'ont vu en VF ou quoi, mais non, remarque pas toi, mais moi j'ai bien aimé sa prestation. J'ai trouvé que ouais, il était à donf de cale, mais que pourquoi pas, quoi. Mais en revanche, voilà, les scènes d'action étaient absolument pas au niveau. Et puis surtout, là où j'étais très déçu, c'est que bah, c'est en fait un film tout public. Alors que moi, mais je suis désolé, mais Venom, moi, quand je disais la BD, c'était le bad guy, c'était le méchant, c'était l'antagoniste de Spider-Man. Moi, je voulais un truc beaucoup plus sombre, beaucoup plus méchant, beaucoup plus violent. Et voilà, ils ont craqué parce qu'apparemment, c'est ce qu'ils ont voulu faire au début. Et puis en plein milieu du tournage, ils ont changé d'avis. Au montage, ils ont tout expurgé. Du coup, on se retrouve avec une espèce de truc comme ça qui est entre deux eaux. Mais voilà, ça m'a quand même fait plaisir de voir Venom sur un écran. Toi, toutes les petites phases de. Et puis ouais, et puis j'ai bien aimé aussi. Il y a un truc que j'ai bien aimé dans le scénario, c'est qu'en fait, Venom, le symbiote, il est comme Tom Hardy. En fait, il est has-been. Il lui dit d'ailleurs, il lui dit, non mais moi sur ma planète, je suis trop une merde. Et du coup, c'est un peu deux has-beens qui se retrouvent. Et ça, je trouvais ça assez marrant. Mais je t'avoue que je le mettrais vraiment dans le fond des chiottes uniquement pour la scène avec Woody Harrelson à la fin. C'est pas possible. Là, tu as l'impression d'être dans un Ah sketch. oui. C'était pas possible. J'ai fait non, ils peuvent pas faire ça. Donc, bah, écoute, on va le mettre au fond des toilettes. Et effectivement, ils m'ont dit hein, sur le chat, mes toilettes vont être bouchées. Mais j'ai un sani broyeur, donc tout va bien. Alors, fond des chiottes. God. Alors ensuite, je ne l'ai pas en Blu-ray, mais on va quand même voilà, lui Le donner une nommer. chance. Le dernier X-Men, Dark Phoenix, qu'en as-tu pensé? Bah écoute, moi j'ai pas trouvé que c'était si naze que ça. Eh ben moi non plus, figure-toi. Moi j'ai bien kiffé, Eh ben ouais, ben je sais, tout le monde a dit que c'était de la grosse merdasse, même. Ouais. mais honnêtement, c'est pas un grand film, c'est clair, mais ça tenait bien la route. Et je trouvais que l'actrice qui joue dans Game of Thrones, j'ai oublié son nom, se débrouille super bien dans le film. Elle véhicule beaucoup d'émotions, alors que justement, je trouvais que dans Game of Thrones, elle était d'une fadeur incroyable. Mais là, dans ce film, elle communique beaucoup d'émotions. Voilà, elle porte pratiquement tout le film sur ses épaules et ça fonctionne. Il y a des scènes. Moi, j'ai bien aimé son traitement, son parcours de personnage, et puis aussi l'intervention de Michael Fassbender. Voilà, il y a quelques scènes d'action qui étaient quand même pas mal, qui avaient quand même de la gueule, quoi, hein, notamment la scène du train. Je sais que beaucoup de gens ont dit que c'était un peu pourri, que c'était pompé sur Matrix ou je sais plus quoi, des trucs comme ça. Mais moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Alors oui, c'est vrai que les méchants étaient un petit peu des anonymes, je crois, hein. C'était des mecs en costard-cravate. C'était un petit peu des, je sais pas comment on appelle ça, c'est les personnages dans les jeux vidéo qui ont pas d'âme, qui se baladent comme ça sur Oui, des oui, merde, comment ça des s'appelle? Des PNJ. PNJ PNJ, ou ouais. des trucs comme ça. Enfin bon, voilà, des trucs comme ça. Mais franchement, moi, le film se termine, je me dis, bon, écoute, j'ai trouvé que c'était plutôt cool ce film. Enfin voilà, j'ai été, on m'a raconté quelque chose, en tout cas, ça. C'était au-dessus, en tout cas, si le quart des MCU pouvait être de ce niveau, ça aurait été cool, quoi. Écoute, moi, j'ai pris pas mal de plaisir à voir ce film. Et surtout, j'ai trouvé que les scènes d'action étaient hyper bien à la hongkongaise, avec beaucoup de practical. Et il y avait un petit début dans l'espace, à la 4 fantastique. J'ai pas compris, franchement, ce déferlement de haine. Surtout, après Apocalypse, qui était quand même le truc le plus pourrave de toute la saga X-Men, quasiment. Ouais, Donc, c'est vrai.
Donc, on est d'accord, hein, c'est Dark Phoenix est un chef-d'œuvre absolu du 7e art. Voilà. Je vais le mettre virtuellement. Et alors, un dernier film. Allez, dernier. Et après, on aura fait le tour. Alors, peut-être que j'en ai oublié quelques-uns, je ne suis pas sûr. Je vais juste répondre, hein, parce qu'on me dit, mais arrête d'acheter des films de merde. Parce que peut-être que vous êtes arrivé en retard, mais je ne peux pas m'en empêcher. Non. Je suis un psychopathe. Je suis un malade. Mais avoue-le, tu les as eus gratis, on te les a donnés. Allez, avoue-le. Pas du tout. Et surtout, c'est que non, c'est la collectionnite de mes héros d'enfance. Je fais pas ça pour toutes les merdes. Je le fais pour Marvel, parce que vraiment, je suis un fanboy Marvel depuis que j'ai 5 ans, je veux être Spider-Man. Donc voilà, ils peuvent me sortir toutes les daubes du monde, je les achèterai quand même, parce que je veux toute la collection, même pour pouvoir dire c'est de la merde. Et d'ailleurs, c'est très amusant parfois de se faire une daube avec des amis, hein, on rigole bien. C'est vrai. D'ailleurs, dès que le confinement est vraiment, vraiment terminé, on se mate Ghost Rider avec Nicolas Cage. Le 2, parce que je ne l'ai pas vu. Ah ouais, l'esprit de la vengeance. Alors attention, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? J'ai pas kiffé. Non, ça c'est le film d'animation, ça. Yes. Ah oui, pardon. Ouais, écoute, alors je sais que tout le monde a adoré ce film. Moi, je ne l'ai pas adoré comme un dingue, mais j'ai trouvé bien au-dessus de tous les derniers Spider-Man qu'on a vus. Je l'ai trouvé très intéressant, graphiquement parlant, même au niveau du... Voilà, c'était très original, en fait. J'ai beaucoup aimé cette approche de multiplication de tous les Spider-Man à travers des différents univers, à travers des mondes parallèles, etc. Que tout le monde puisse... C'était vraiment intéressant. Il y avait une vraie originalité, un point de vue intéressant. Et voilà, après je ne rangerai pas dans la catégorie des chefs-d'œuvre et des plus grands Spider-Man qu'on ait pu voir depuis le début des années 2000. Voilà. Très bien. Eh bien, donc tu le classerais dans quoi ? Dans chef-d'œuvre absolu. Oui, bien sûr. Alors écoute, moi j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper bien. Déjà le style graphique. En plus, je ne connaissais pas du tout l'histoire de Miles Morales. Et depuis, mon fils, il veut être Miles Morales. J'aime bien en plus qu'on ait un héros noir, super-héros noir populaire. Ça, j'aime bien. Je trouvais que c'était intéressant de mélanger tout, comme tu dis, quoi. Mais c'est surtout vraiment la patte graphique qui m'a surpris, tu sais, avec ce petit côté strié un tout petit peu, tu vois, dans la texture des couleurs et tout. Ouais. Vraiment, c'est très très bien. Et puis alors, la 3D est magnifique. Les scènes d'action sont hyper réussies. Franchement, ouais, j'ai trouvé ça excellent. Je m'attendais à de la merde. Enfin, tu vois, j'avais pas envie de le voir. Je sais pas pourquoi, ça me chauffait pas du tout. Parce que moi, ça faisait des années que je fantasmais sur un film en synthèse. Je disais, mais putain, Disney, ils ont Marvel et Pixar. Pourquoi ils font pas un surfeur d'argent Galactus en synthèse, quoi, tu vois, en genre photoréaliste, tu vois. Ouais. Et du coup, quand ils ont sorti ça, j'étais un poil déçu. Moi, je voulais plutôt du photoréalisme. Et non, c'est canon. Donc moi, pareil que toi, je le mets dans chef-d'œuvre absolu. Et il nous manque, merci le chat, les 4 fantastiques de Josh Trank. Ah oui. Bah écoute, c'est un film d'après mes souvenirs. Qui est partagé, c'est-à-dire que il me semble que la première heure était vachement bien, ouais. Et alors après, ça part en cacahuète, ça n'a aucun intérêt, et, ouais. Et c'est bien dommage, hein, parce que le début était bien, ça tenait bien la route, les acteurs étaient bons, il y a l'acteur de Whiplash, j'ai oublié son nom, qui joue dedans, qui est très bien, que j'aime beaucoup, mais après ça part en sucette, mais je ne sais plus trop pourquoi. Bah, c'est parce que le méchant était pété, non ? Bah, c'est Fatalis, mais non, mais c'est juste qu'après, ils n'ont même plus les mêmes coupes de cheveux, c'est réalisé par une autre équipe, ça se voit, c'est plus du tout le même réal, ils ont complètement... Ah, le réal a été viré ? Ouais, ils ont tout re-shooté à sa place. Et du coup, c'est pas possible, quoi, je veux dire, le début, c'est génial, c'est noir, sombre, adulte, et puis genre, au bout de 45 minutes, ça devient Bioman, quoi. Tu fais quoi ? Oui, voilà. Ah oui, si, ça y est, je me rappelle. Oui, il y a une ellipse.
Il y a une ellipse de temps, genre ils sont là, il s'est passé un truc hyper dramatique, et puis tout d'un coup, un an et demi plus tard, et puis là, c'est ça, hein, et ils se deviennent des super-héros. Enfin, après, ça devient un film de super-héros ultra lambda et inintéressant au possible, avec un, oui, avec une menace toute pétée. Là. Et oui, voilà, c'est comme dit Mésangé, c'est un film qui a été bousillé par le studio, je pense. Ah oui, oui. Mais bon, voilà, un ratage. Alors, c'est l'heure des comptes, les enfants. Ah, t'as fait les comptes ? Ah, on va faire les comptes. Alors là, attention, je vous sors les daubes atomiques. Alors, les daubes atomiques, nous avons donc Elektra, les 4 Fantastiques, et c'est tout. Donc, Elektra et les 4 Fantastiques. Venom, The Amazing Spider-Man, Wolverine, The Amazing Spider-Man 2, X-Men Apocalypse, Ghost Rider 2, Daredevil, Si avec ça t'appelles pas le plombier demain. Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, Spider-Man 3. On va bientôt plus te voir. Blade 3. Ouais. Et Blade 1. D'accord. Et donc, alors, donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 daubes, 13 merdes atomiques, 13 étrons. Voilà, 13 briques qui vont couler au fond de l'eau à jamais. Et nous allons maintenant prendre les chefs-d'œuvre du 7e art. Alors attention, chef-d'œuvre du 7e art, il faut rajouter donc le dernier X-Men. Et donc nous avons les 4 Fantastiques. Nous avons Spider-Man, New Generation. Nous avons Deadpool. Nous avons Logan. Nous avons Wolverine, le combat de l'immortel. Nous avons X-Men, Day of Future Past. Nous avons X-Men, le commencement. Nous avons Ghost Rider, un chef-d'œuvre temporel. Ça, il faut l'encadrer, ça. Nous avons Hulk. Nous avons Spider-Man 2. Nous avons Spider-Man. Et nous avons la trilogie... X-Men et nous avons Blade et nous avons Blade 2. Ah ouais, attention, et dans plus... les et donc je vais te dire, et on en a loupé un, hein, dans les daubes, j'ai oublié, mais en fait il y a 14 daubes, et donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ah bah, 15. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire, par rapport à la vidéo que j'ai sortie avant? Eh bien, ça veut dire que le MCU, c'est de la merde, et que le reste de Marvel, mais qui n'est pas géré par Marvel, c'est un chef-d'œuvre absolu. Voilà. Donc, vraiment, là, on a tranché pour les fans, tu vois, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Et finalement, hein, depuis, voilà, c'est ce que on pourrait, voilà, la conclusion de cette histoire, c'est que depuis que Marvel est devenu un studio, qu'est-ce que c'est de la merde? C'était vraiment mieux avant. Donc évidemment, il y a du troll, hein, évidemment, c'est pour rire, évidemment, hein, on était dans le manichéisme le plus total. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça maintenant, David? Hein? Attends, mais moi j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'on n'en aurait pas oublié un? Est-ce que c'est un Marvel Rocketeer. C'est Disney. Oui, c'est Disney, mais... Ah oui. C'est Marvel, Rocketeer? Ben, je sais pas. Non, c'est peut-être pas Marvel. Alors. Mais c'est parce que c'est pas DC Comics non plus. Non, mais je crois pas que ça soit Marvel. Hein. Est-ce qu'on en a oublié dans le chat? Là, je vois Punisher. Ah merde, Punisher. Les Punisher! Ah putain, on n'a pas fait les Punisher. Ah ouais, ben alors là, attends, parce que les Punisher, il y a le 1, le 2, il y a celui de Dolph Lundgren. Ensuite, il y a celui avec Travolta, et après, il y a l'autre, là, avec celui qui jouait dans Rome.
Et ah ouais, là, merde, ah ben là, je crois que c'est trois daubes, hein. C'est trois daubes intersidérales. Donc, enfin, tu les as vues, toi? Enfin, non, celui avec Dolph Lundgren est bien. J'ai Donc, pas vu, 14, j'en ai 15, vu aucun, je crois, des punitions. 15, 15. Et puis, en fait, ça ferait 15, 15. Tu vois, et en fait, il faudrait débattre. Et tout se jouerait sous, en fait, le tout dernier Punisher, qui est réalisé par une nana qui est ultra violent. Avec voilà l'acteur qui joue dans Rome, encore une fois. Mais moi, personnellement, je l'aurais mis dans le fond des chiottes parce que j'ai détesté ce film. Donc, de toute façon, ça n'aurait pas. Ça... Ah, si, ça aurait Ah tout bah si, ça changé. aurait changé. Ah, ça aurait tout Non. changé, nom de Dieu. Ça aurait tout changé. Ça aurait voulu dire que Marvel, Quoi voilà, qu'il, c'est de la c'est de la merde. merde. Ah, bah là, on change. Bah alors, écoutez, hein, vu qu'on ne fait pas dans le manichéisme, effectivement, le Dolph Lundgren Punisher, c'est super. Celui avec Travolta, on a envie de se jeter par la fenêtre. Et celui ultra Le violent, bah. premier, Punisher, c'est celui avec Dolph Lundgren? Ouais, c'est celui avec Dolph Lundgren. Mais qui Ah bon? d'ailleurs est nul, hein, mais il y a une version Director's Cut qui est rigolote. Donc, ouais. Puis on aurait pu Donc rajouter les oui, séries après. télé. Donc, Bon, non. en tout Donc, en fait, cas. on revient. Marvel, en entier, c'est de la merde. Donc voilà, désolé, on a fait une fausse joie, hein, pour On ce. a Et fait, tu je vois? les ai en plus, hein, les Punisher, c'est juste que j'ai oublié. J'ai oublié que je les avais, ils sont pas rangés au même endroit. Et en tout cas, c'est quand le chat nous confirme que Rocketeer, c'est pas Marvel. C'est ni DC ni Marvel. J'ai vu passer ça, c'est Dark Horse. Donc Voilà, et on n'a voilà. pas parlé de Mais c'est Howard the Duck. pour ça que c'est bien. Et c'est vrai. Mais Howard the bon, Duck, ça c'est n'aurait Marvel, hein, n'est-ce pas? pas. Ouais, je sais, ouais. Mais bon, c'est compliqué, Howard the Duck, hein, comme film. Je l'ai jamais vu, moi. Ah, c'est compliqué. Écoute, honnêtement, les 30 premières minutes, ça va. Ça passait encore. C'est bon délire. Mais alors après, Dr. Jennings, Dr. Jennings, Dr. Jennings. Bon, c'est complètement. Voilà, c'est difficile à regarder. Alors moi, j'ai une question pour toi, David, j'ai une question pour le chat. Pourquoi tout le monde s'énerve sur Vincent Cassel quand il dit que les films de super-héros, c'est un peu pour ados? C'est un peu la vérité quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même un délire d'ado. Quand on a tous kiffé les super-héros quand on était petit. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est pas un gros mot de dire que c'est pour enfants. C'est quand même un peu plutôt pour enfants, les super-héros et les trucs, que pour les adultes, non? À la base, de base. Je veux dire, on peut être adulte comme moi. Oui, mais J'adore les films de super-héros, il n'y a pas de souci, hein. Mais je veux dire, ouais, c'est quand même plus un délire pour ados que pour grandes personnes avec des cheveux blancs, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. C'est pas un gros mot de dire ça. On lui est tombé dessus à Cassel, là. Ouais, non, mais oui, t'as mais vu, parce voilà que la ligne. oui, mais parce que bah oui, mais parce que quelque part, je pense qu'il l'a dit de façon un peu péjorative. C'était pas bienveillant, tu vois. C'était pas. Ah, tu crois? Ah bah oui, je pense que dans sa bouche, ça résonnait un peu comme ça, quoi. Je prends ça un petit peu de haut, et de toute façon, tout ça, c'est des trucs pour gosses. Alors que, pas vrai, enfin, j'ai envie de dire oui et non, quoi. Il y a des trucs pour gosses, effectivement, il y a des trucs plus légers, et c'est pas parce que d'ailleurs c'est léger que c'est mauvais, je dis pas ça, mais je trouve que l'univers des films de super-héros est tellement riche, tellement varié, que tout le monde peut y trouver son compte, adulte, enfant, ado, etc. C'est très très riche. Donc, c'est un petit peu faire un amalgame comme ça, peut-être un peu simpliste de tout un genre de film. Et c'est peut-être pour ça que ça a énervé. Donc, enfin, moi, je l'ai pris comme ça. Après, peut-être qu'il voulait parler de Marvel, tu vois. Et puis, par rapport à toute la polémique qu'il y a eu avec Martin Scorsese, qui a dit que c'était pas du cinéma. Où là quelque part je l'aurais un peu rejoint, tu vois, mais dans sa bouche, comment te dire, c'était pas forcément ouais, voilà ce que je disais, quoi. Ça résonnait un petit peu de façon péjorative, parce que voilà, des films pour enfants, des films, enfin oui, tu as raison, des films pour enfants, enfin, dire, qualifier, ce que je veux dire, c'est qualifier quelque chose, une œuvre, d'un film comme un film pour enfants, ce n'est pas forcément automatiquement négatif et péjoratif. Je suis d'accord. Voilà, hein, l'histoire sans fin, les Goonies, E.T., enfin, on les connaît. Ah oui. C'est des excellents films, en tout cas pour moi.
Et il n'y a aucun mal à être un film pour enfants. Mais voilà, je pense que c'est un petit peu gueulé parce que quelque part dans sa bouche, c'était péjoratif. Et alors, on est d'accord au final que le meilleur Marvel de tout ce qui est sorti en cinéma, c'est Spider-Man 1. Ah non, toi, tu préfères le 2. Je préfère le 2. En fait, ça se jouerait entre Spider-Man 1 et 2 et X-Men, quoi. Le premier X-Men. Oui. Ouais, mais alors X-Men, j'ai jamais réussi à définir quel était celui que je préférais le plus parce que déjà, je crois que j'ai plus aimé X-Men 2 à X-Men 1. Et encore, putain, des fois, quand je revois X-Men 1, je me dis, ah, quand même, putain, celui-là, il était hyper intéressant. Et puis Days of Future Past, je l'avais adoré. Ouais, First Class aussi. Tu sais quoi, X-Men, c'est la saga de super-héros où il y a le plus de bons films finalement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Plus que Batman. Enfin, quand on sépare les. Enfin, tu vois, voilà, Nolan, il a fait sa trilogie. Il y a eu les quatre premiers Batman. Il y a eu les quatre Batman des années 90 qui sont. Pas tous de la même qualité. Et puis il y a eu les Batman versus Superman, tout ça, enfin Justice League, où là c'est catastrophique. Donc quelque part dans la saga X-Men, on a quand même 1, 2, 3, 4, au moins 4 très bons films. Tiens, je prends les deux. Faites dans le chat, faites-nous vos classements des 3 meilleurs Marvel, tout film confondu. MCU et pas MCU. Mais oui, je suis d'accord avec toi, David. Donc toi, ce serait Spider-Man 1 le meilleur Marvel de tous les temps. Ouais, pour moi, le meilleur Marvel, c'est Spider-Man 1. Voilà, je trouve ça génial. Incroyable. En plus, mais je te dis, par rapport à moi, ce qui me plaît particulièrement par rapport aux autres, c'est que c'est très, très violent. Le film est ultra violent. Je suis sûr que tu le revois maintenant, le film, mais c'est pas possible. C'est pas pour les enfants, ça. Et non, vraiment, j'adore. Je trouve ça hyper, 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 hyper bien. Puis en plus, c'est une origin story. J'adore les origin stories. Et puis, je te dis, c'est vraiment un film qui a marqué hein, l'inconscient collectif, quoi. À grand pouvoir, grande responsabilité. Oui, c'était excellent. Et puis, le baiser à l'envers, quoi. Tu vois, parce que ça aussi, les baisers de cinéma, c'est mythique. Et celui-là, il est incroyable, quoi. Je veux dire, c'est... Et puis là, pour le coup, l'origin story est hyper bien réussie. La relation avec l'oncle Ben, mortel, le mec qui s'en veut, le mec qui se sent coupable, c'est génial. Ouais. Là où justement, dans Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, je trouve que toute la relation avec son oncle et même son père, qui apparaît en flashback et tout... ça marchait pas du tout. Enfin, on n'en avait rien à cirer. C'est le problème de famille dans Amazing Spider-Man. Non. Il y a rien qui transpirait, je trouve. Alors que là, t'étais bouleversé, vraiment. C'est vrai. Avec sa tante et tout, t'étais bouleversé. D'ailleurs, l'acteur qui joue l'oncle Ben, c'est l'acteur qui joue dans un film que tu adores, de Brian De Palma. Bien sûr, évidemment. Obsession. Oui, Cliff Robertson. Exact. Et oui, j'adore ce mec. Et alors, moi, je vais faire une petite. Alors voilà, je vais prendre un fouet et puis je vais me moto-flageller. Et maintenant, vous pouvez enregistrer, voilà, préparer vos magnétophones parce que vous pourrez utiliser ce passage contre moi à vie pour me décrédibiliser en disant mais cet homme n'a aucun droit d'être sur YouTube. Regardez ce qu'il a dit à cette époque. Et je l'assumerai pleinement, puisque moi, eh bien, sur la trilogie Dark Knight, eh bien, figurez-vous que The Dark Knight, le 2, eh bien, c'est celui que j'aime le moins. Moi, je préfère le 1 et le 3, et je crois que c'est le 3 mon préféré, malgré tous les problèmes de scénario qui peut avoir. Moi, le 2, Dark Knight, alors déjà, j'ai deux problèmes. Principal problème, c'est Heath Ledger, j'en ai rien à taper. Alors, son personnage de Joker, mais ça me fait rien du tout. Alors, je préfère 100 fois Nicholson ou même Joaquin Phoenix. Vraiment, je trouve les scènes d'action mou du fion et tout. C'est pas possible, quoi. Il n'y a que le camion qui se retourne que je kiffe.
Et donc, voilà, j'aime. Et je m'ennuie, quoi, mais je m'ennuie, mais je trouve ça tarabicoté pour rien, long pour rien, double face, ça dure des heures, on s'en bat la race. Et je préfère vraiment 10 fois Bane que le Joker. Et je trouve que le 1 est un bien meilleur film de super-héros, voilà, encore une fois. Voilà, j'espère que vous avez enregistré ça. Voilà, je trouve que le deuxième est le moins bon des trois. À foutre dans le trou des chiottes. Ah là 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 là, comment perdre, oui, exactement, comment perdre 1000 mille abonnés abonnés, en 2 secondes. voilà, en 2 secondes. Attention, j'ai pas dit que c'était pas bien, hein. C'est juste celui que j'aime le moins. Que t'aimes le moins. Ah bah écoute, il en faut des gens comme toi, hein. Mais C'est ça qui oui. est intéressant. Tu n'es pas comme tous les moutons, hein, qui suivent le troupeau et qui disent ah, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Je fais pas exprès, Même si j'en fais partie. je fais Alors pas pour moi, exprès. The Dark Knight, je crois qu'il est dans mon top 3 des meilleurs films de super-héros de all time. Ah ouais, c'est marrant Ouais. ça. Je sais pas C'est un pourquoi je. film, quand je l'ai vu en Belgique, un mois avant qu'il sorte en France, je suis allé jusqu'en Belgique pour le voir. C'est un film qui m'a foutu les poils pendant 2 heures et demie. Voilà, juste pour te dire. Ah ouais. Et tu vois, le troisième Batman, je trouvais ça hyper bien, le fait qu'il soit vieux. Tu vois, qu'on ait le ouais, tu sais, enfin, vieux, il n'est pas vieux, mais ils ont fait semblant, quoi. Il était un peu plus maigre, un peu plus faible, avec sa patte folle. Tu vois, un peu plus. Enfin, voilà, comme le vieux Batman, tu sais, dans la série animée, là, j'adorais. Et je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai kiffé. Et puis Bane, quoi. Bane, je le trouve génial, quoi. J'adore. J'adore. Et puis voilà, la fin, parce que c'est limite ambigu. On ne sait pas s'il est vivant ou pas. Hein. C'est-à-dire que ça, on peut très bien interpréter. Voilà, enfin, tu vois, c'est un petit peu quand même. Il y a quand même un petit goût de mort. Tu sais, ça me fait penser au. D'ailleurs, ça, je le dis pour tout le chat, hein, parce que depuis le début, je ne parlais que pour David. Tu sais, dans les Hitchcock. Très souvent, par exemple, dans Pas de printemps pour Marnie, je me rappelle, toi, tu as un film très sombre, même Vertigo, ils l'avaient fait, mais ils l'ont enlevé. Tu vois, Vertigo, ça se finit avec lui qui est au-dessus du clocher, comme ça, et qui a limite, tu vois, il avance comme s'il pourrait se jeter, fondu au noir. Et Marnie, elle est complètement secouée, ça se finit sur ça. Et en fait, il y avait un fondu au noir, et puis après, hop, une petite séquence de merde. Comme ça, pour rétablir un petit peu la vérité, tu vois, genre, non, en fait, tout va bien. Alors, tu vois, à la fin de Pas de printemps sur Manille, il y a marqué, et finalement, elle sortit de l'hôpital psychiatrique, et ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, tu vois. Et ça dure 10 secondes, tu vois, et tu es là, et tu fais, mais pourquoi ils ont fait ça? C'est trop bizarre, tu vois. Et donc, c'est parce que c'était la censure de l'époque, parce qu'en fait, les films étaient tellement violents que tu pouvais pas Terminé sur une note. terminer sur une note comme ça, trop glauque. Et donc, il retournait des petits passages pour les mettre à la fin. Et donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je milite pour que maintenant, dans les nouvelles copies, mais on expurge ces merdes, quoi. Tu vois, pas de printemps pour Marnie, moi, je ne veux pas de ce truc-là, quoi. Ça s'appelle comment le film, pareil, le film français avec Bourville, où à la fin, on l'emmène dans les nazis, ils l'emmènent dans la camionnette, là. C'est quoi? C'est Jean Gabin et Bourville, là? C'est quoi déjà? La traversée de Paris. Non, 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 non. Je sais plus. Enfin, bref, je sais plus. Mais en tout cas, à la fin, il finit dans un fourgon. Pareil, il se fait embarquer par les nazis, tu vois. Et puis, genre, 2 secondes après, tu le vois à Saint-Lazare. Hey, salut! Ouais, ça, on se pardonne, hein, tu vois. Et c'était Ouais, si, exactement le si, si, même si, film. c'est la traversée de Paris, ouais. Ah Alors, ben mon petit voilà. Marcel, on porte toujours les valises? Ouais, voilà. Et t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette fin? Foutez de ma gueule ou quoi? On vient d'avoir un truc hyper anxiogène et tout. Enfin, voilà, avec une fin de ouf, limite, tu fais, mais non. Et puis, 2 secondes après, tu le vois faire, ouais, c'est cool. C'est trop, trop bizarre, quoi. Moi, je trouve qu'on devrait recuter ces films. C'est marrant parce que en disant ça, tu me fais penser. Il y a aussi cette fin un peu similaire avec dans La mort aux trousses. Je sais pas si tu te rappelles. La mort aux Vas-y, trousses, dis-moi, bah, ouais. t'as la nana qui est suspendue, tu sais, tout en haut du Mont Rushmore là, tu sais, quand Ouais. t'as Cary Grant qui essaye de l'attraper et tout. On pense qu'elle va tomber, qu'elle va mourir. Et là, ça, mais je trouve que là, c'est plutôt
c'est plutôt habile de la part d'Hitchcock et c'est plutôt sympa. On pense qu'elle va lâcher, quoi, et en fait, ça cut et on reprend Cary Grant, mais dans la couchette du wagon-train, qui prend la nana et qui l'amène dans son lit, tu vois. Mmh. Et tu vois, ça fait une transition hyper fluide entre le moment de danger extrême et un moment d'intimité où voilà, ils sont sauvés, ils sont ensemble, il a gagné, il a remporté la fille, tout va bien, happy end total, quoi. Mais je trouve que c'est artificiel. Après c'est un happy end, hein. C'est un choix, quoi. Ça me dérange pas, enfin dans ce genre de film là ça me dérange pas, mais je trouvais ça très fort d'être passé d'une scène de tension incroyable avec un danger extrême à soudainement en un seul plan le mec, ça y est, il s'en est sorti. C'était les Disney Plus de l'époque. C'était les Disney Plus. Non mais dans certains films c'est justifié, mais même à la fin de Vertigo, putain, le mec, tout ce qui se mange dans la gueule, quoi, pendant tout le film, il mérite d'avoir une fin plutôt heureuse. Moi, le seul de ce goût-là où je suis vraiment, vraiment, vraiment d'accord, c'est True Romance. C'est que Tarantino, il avait vendu son scénario en fait avant, donc il pouvait plus, il pouvait plus le réaliser. Et donc c'est Tony Scott qui récupère le bébé. Et Tarantino, il est trop content parce qu'il est ultra fan de Tony Scott. Tu vois, donc il est aux anges. Donc voilà, Tony Scott fait le film, etc., etc. Et dans le scénario, du coup, Clarence se fait shooter. Donc, ils ont filmé cette fin, hein, d'ailleurs. Ils ont filmé la fin où il meurt. Et puis, au montage, Scott, voilà, il dit « Non, mais c'est pas possible. » Et donc, il met une happy end. Et là, Tarantino, il apprend ça. Il fait « Putain, mais tu peux pas faire ça, mec. T'es Tony Scott. T'es le mec qui a réalisé « Revenge ». Mec, t'es noir, pourquoi tu fais ça et tout. Et Scott, il lui a dit, mais mec, c'est pas possible. Je te jure, peut-être que dans ton scénar, c'était possible, mais là, le film que j'ai fait, ils en prennent tellement plein la gueule pendant tout putain de film que je te jure, je peux pas les tuer. Je peux pas le tuer, c'est horrible. Tu vois, et en fait, quand il a vu le cut, Tarantino, il a vu le film, il a fait, ouais, en fait, t'as raison, c'est bon. Donc, validé. Et moi, je préfère vraiment le happy end. Que voilà, quand tu regardes les bonus et que tu vois la fin où je fais shooter, tu fais non, c'est trop dur. C'était pas possible. Oui, mais ouais. Bah justement, moi ça m'avait. Parce que True Romance, quoi, True Romance. Oui, mais elle survit, tu vois. Si elle avait juste. Si c'était juste elle qui survivait, voilà, c'est ça, c'est aussi ça les belles histoires d'amour, c'est qu'elle termine mal. Et sur ces belles paroles, je vais m'en aller. Voilà. Eh bien. Allez, bonne nuit les déconfinés. Bonne nuit, ça y est, tu t'en vas ? Non, moi, avant de partir, je veux que tu me fasses une danse sur la musique du thé à la menthe. Là. Alors d'ailleurs, pour la petite anecdote, parce que j'ai vu passer dans le chat, Cassel ne se rappelle plus d'où il vient, etc. Donc moi j'ai travaillé plusieurs fois avec Cassel, j'ai rencontré plusieurs fois et donc du coup je ce n'est pas moi qui ai réalisé le clip hein, de Thé à la menthe, c'est Mohamed Mazouz et qui est High Tech le reseller, donc le chanteur de la caution. Donc parce que voilà, qui faisait partie de Courtrage-Mais aussi, etc. Parce que moi j'étais le prof de théâtre de Courtrage-Mais du coup. Et donc Cassel est un homme extrêmement gentil dans la vie. Vraiment une pépite, une douceur qui se la raconte absolument pas, qui parle avec tout le monde. Voilà, donc je tenais à le préciser parce que c'est pas souvent très disponible, qui était venu travailler gratuit. Enfin voilà, et donc voilà, je le dis. Je sais pas s'il a oublié d'où il venait, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'assez humble et qui se la raconte pas du tout. Voilà, c'était juste comme ça pour le chat. Peut-être que ça vous réconciliera avec lui. Et vous pouvez aller voir le clip de Thé à la menthe, voilà, où j'ai participé. Hein. Voilà, j'ai fait pas mal de petits trucs. Ce qu'on me demande, qu'est-ce que j'ai réal. Donc voilà, le premier clip de la caution, un clip pour Kondo. Voilà, il y a eu plein de choses et puis beaucoup de choses où j'ai participé, où j'étais pas réalisateur, mais où voilà, j'étais l'armée des douze singes par exemple, Nesbill.
à beaucoup de rap français. Et je ne les mettrai probablement pas sur le net parce que ça a été fait à une certaine époque. Maintenant, les masters ne sont pas en HD, donc tu les mets sur le net, c'est dégueulasse. Donc, il y a quand même c'est pas que j'en suis pas fier, hein, mais c'est que voilà, ça a fait un peu son temps, on va dire ça comme ça, et que je mettrai beaucoup plus en ligne facilement le long métrage que je vais sortir prochainement et qui est co-réalisé donc par moi et par Hightech, donc du coup, et qui s'appelle La Conspiration, d'après la pièce de théâtre La Conspiration dans laquelle j'ai joué, écrit par Alexandre Markov, qui fait partie d'une troupe qui s'appelle le Grand Colossal Théâtre. Et je vous conseille vraiment de vous intéresser à cette compagnie, elle est incroyable. Ils ont fait un spectacle qui s'appelle Batman contre Robespierre. Et Batman contre Robespierre, c'est le premier long-métrage de Hightech le Receller, donc de Mohamed Mazouz, qui va sortir très prochainement. Là, le film est bientôt terminé. Et c'est un film complètement expérimental, une dinguerie. Voilà, je pense que ça va faire son petit buzz. Donc voilà, recherchez Batman contre Robespierre. Ça passe encore au théâtre. Et si vous pouvez le voir, c'est magnifique. Il faut aller au théâtre de temps en temps, les enfants. Ça fait du bien. Hein. Parce que pour tout le monde, le théâtre, c'est... voilà, on y va pour voir du one-man show. Et c'est super, hein, pour se marrer et tout ça. Mais je vous assure que parfois, les pièces que j'ai pu voir, qui sont, quand on n'est pas habitué, on ne se rend pas compte. Mais moi, j'ai pris des claques qui sont autant intenses que la première fois où j'ai vu Seven au cinéma, quoi. Des trucs où tu vois, enfin, tu ressens une émotion vraiment intense, incroyable. Et donc, par exemple, renseignez-vous sur Wajdi Mouawad. Si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir ce qu'il fait quand ça passe. Et c'est par exemple très très intense, exceptionnel. Voilà. Donc de temps en temps, je vous ferai des petites reviews théâtre. Je vous conseillerais d'aller voir telle ou telle pièce, mais uniquement quand ça sera de la bombe. Voilà, quand ça sera vraiment un truc très 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 lourd, du genre MTM ou des choses comme ça, la Fura del Baos. Voilà. Voilà, voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, avant de partir, moi, je vais peut-être répondre à quelques questions sur le chat, David. Et si tu veux le faire avec moi, tu es le bienvenu, sinon tu peux te barjou. Il faut que j'y aille, mon petit Mérège, il faut que j'y aille. Eh bien... Il faut que j'y aille, il faut que je vous quitte. Mon petit déconfiné. Allez, porte-toi bien. Voilà. Encore merci. bravo pour les 1000 abonnés, pour ta chaîne, continue. Et puis, j'embrasse tout le monde dans le chat. Merci d'avoir été là, merci d'avoir participé. Et j'ai envie de vous dire à très bientôt. Voilà, j'espère que les salles de cinéma vont réouvrir. Voilà, on croise les doigts. J'espère que tout ça va s'arranger et qu'on pourra profiter des films sur grand écran à nouveau. En tout cas. En tout cas, Mérège, tu seras sûrement le premier avec qui je retournerai dans une salle. C'est vrai. Voilà. J'espère. Okay. Tenette, palindrome, voilà. Palindrome, avec les tuyaux et la combinaison. Hein. Ah là là, j'ai hâte d'y être. Ouais. Quoi, c'est ça? Putain, c'était super le film et j'ai rien compris. Je ne peux pas produire le film. Mais c'est ça. Nous sommes. En direct de la salle de Tenet. Ah, comment il s'appelle le mec qui allait sous l'eau et qui faisait ça? Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, oui, voilà, Nicolas Hulot. Ça, et oui, Nicolas. Je suis sous l'eau, là. il y a un requin qui approche. C'est excellent. Allez, salut, mon petit gars. Allez, salut, je vous embrasse. Allez, à très bientôt. Bis-bise. Bis-bisette. Je te déconnecte. Je ne sais pas comment. Je te déconnecte. Voilà. Voilà, les petits amis. J'espère que ça vous a plu, hein, cette petite rétrospective Marvel. Je n'ai même pas encore mangé. J'ai une dalle, mais un truc, je mangerai un bœuf. Donc, je vais répondre à quelques questions, si vous voulez. Voilà.
encore voilà, 5 minutes. Et puis après, je m'en vais. Et je vous laisse, voilà, parce que j'imagine que vous allez avoir aussi une lourde et grosse semaine qui vous attend. Alors, as-tu maté Vivarium ? Oui, et d'ailleurs, il y a une critique sur ma chaîne. Tu peux aller la voir, Tim. J'ai trouvé ça absolument incroyable. J'ai adoré Vivarium, c'est génial. Je conseille à tout le monde de voir Vivarium, c'est magnifico. Mange un bout devant la caméra. Non, parce que là, je vais me faire des pâtes ou un truc qui tient au corps. Tu es quand même beau à l'écran. Merci, Angèle. Tu es gentil. Le meilleur Quaron, je ne sais pas. Je ne sais pas. Gravity. As-tu vu le gangster, le flic et l'assassin? Je ne l'ai pas vu. Mais je vais le voir là, peut-être ce soir d'ailleurs. Parce que tout le monde veut que je fasse une critique de le gangster et l'assassin. Donc d'accord, j'ai compris. Je vais le regarder et je vais vous faire la critique. T'as survolé Harry Potter, c'est quoi? T'as survolé les Harry Potter, mais le troisième est excellent de Quaron. Ben moi, je trouve pas tellement. Tu vois, je me rappelle le scénario est pas mal et tout, mais moi vraiment dans Harry Potter, ce que je préfère encore une fois, c'est les deux premiers de Chris Columbus quand il est tout petit garçon là. Et je trouve que ça fait vraiment flipper, justement parce qu'ils sont petits, avec le gros serpent à la fin et tout. Et justement à partir du 3, je trouvais que c'était un peu, ouais, je sais pas, ça, la direction artistique m'a pas particulièrement plu. Alors live qui nous a trollé d'une force, évidemment, on était en mode ultra troll. Hein. Là, je crois qu'on pouvait pas troller plus que ça. Hein. Donc évidemment, mon film d'animation préféré, c'est pas compliqué, c'est Princesse Mononoke, qui pour moi est le meilleur film vraiment d'animation de Miyazaki, le meilleur film d'animation tout court. Et encore une fois, un film qui me fait pleurer à chaudes larmes au bout de 15 secondes. Il y a la musique de Joe Hisaishi, là. Avec le petit panneau sur la forêt, je chiale. La musique de Hisaishi me fait chialer, c'est incroyable. Est-ce que tu as vu The Florida Project? Malheureusement, non. Mais je sais que c'est génial. J'ai vu, en fait, un morceau. Et j'ai trouvé ça génial, les enfants et tout. J'ai dit, putain... En plus, les enfants qui jurent et tout, enfin vraiment, je sais que ça va être génial et il faut que je le regarde avec ma nana et voilà, on a un peu de mal avec mon fils à se trouver des moments pour regarder ensemble, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Mais oui, j'ai absolument envie de le voir, il faut absolument que je le voie. T'es plutôt saucisse ou merguez? Merguez. Merguez de ouf, moi je t'échange mes deux saucisses contre une seule merguez. Ma vidéo volume 2 des films coréens est top. Merci beaucoup Laurent et merci pour ton soutien aussi constant depuis le début. Je vais essayer de faire pareil pour la 3, essayer de vous surprendre encore un petit peu. Et j'en ai vraiment chié. D'ailleurs, j'étais obligé de la couper un petit peu parce qu'ils m'ont fait chier pour des extraits. Donc du coup, j'ai enlevé de Villainess parce que voilà, je voulais parler surtout du plan séquence de moto et c'est pas passé, ils m'ont fait bah bah bah, donc j'étais obligé de l'enlever. As-tu regardé Le Bon Apôtre de Gareth Evans? Non, Xav, pas encore. Merci aussi pour ton soutien, Xav. J'ai pas encore regardé, mais je vais le regarder parce que ça fait plusieurs fois que tu m'en parles et oui, c'est prévu. En fait, la véritable raison, c'est que là, Netflix, j'ai pas Netflix là tout de suite. Parce que ma carte bleue a eu un problème, donc du coup, je suis pas abonné à Netflix en ce moment. Mais ça ne serait tardé. Bonsoir Pierre. Le film Double Agent, je ne l'ai pas vu. Est-ce que c'est bien? Cette fois, je vais me coucher. Eh bien, très bonne nuit, hein, petit canard, très bonne nuit. J'aime beaucoup. Excusez-moi. Hein. Penses-tu faire des vidéos sur des réalisateurs? Je ne sais pas. C'est possible. Je pense que ça peut me prendre. Oui, ça peut me. Tu vois, par exemple, je pourrais tout à fait faire une vidéo sur Jonito ou sur Ringo Lam, par exemple. Tu vois, deux réalisateurs hongkongais que j'apprécie particulièrement. Mais je pense que si je faisais une vidéo sur un réal, je ferais du Jonito
Parce que pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs du monde. Il est tellement sous-coté. Enfin, personne ne connaît Jonito, quoi. C'est hallucinant, quoi. Vous, évidemment, je sais que vous connaissez parce que voilà, vous êtes pointu. Mais je veux dire, dans le grand public, personne ne connaît, quoi. C'est hallucinant, quoi. Tu dis The Mission, les mecs, ils te font de quoi tu parles, quoi. Donc, c'est quand même assez incroyable. Donc, oui, Arquel, Ahmed, Axel, je vais probablement en faire une de ces quatre. Ton Hideo Nakata préféré? Eh bien, The Ring, je pense, le premier. Darkwater, entre les deux. Les trois pires navets, Justice League, déjà, c'est la pire déception de ma vie au cinéma, c'est pas possible. Ensuite, il y a un film, j'ai tenu une demi-heure, c'est Ma sorcière bien-aimée, avec Nicole Kidman. Je crois que c'était vraiment une douleur intense. Et Kickboxer 2. Kickboxer 2 avec Sacha Mitchell, je crois, comment il s'appelle, où il tue Van Damme et tout, où c'est monté avec une tronçonneuse, c'est incroyable. Par rapport à Princesse Mononoke, regarde Le Vent se lève. Et évidemment, je ne l'ai pas encore vu, Le Vent se lève. C'est le seul que je n'ai pas vu. Aimes-tu les found footage? Alors, ça dépend. J'aime bien le concept, mais il faut que ça soit très, 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 très bien fait à la Cloverfield, par exemple. Cloverfield, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Mais tout de même, même dans Cloverfield, d'ailleurs, je trouve qu'il y a quand même un problème avec les found footage, c'est que c'est beaucoup trop bien filmé pour des gens qui sont censés ne pas savoir filmer, tu vois. Il y a un truc comme ça. Et d'ailleurs, le film que je réalise avec Hightech, donc qui s'appelle La Conspiration, il y a une partie qui est found footage. Et j'ai vraiment, tu vois, essayé de faire le plus possible en sorte que ce soit réaliste, mal filmé et tout. Mais vraiment, j'ai fait exprès de mal filmer, hein, parce qu'il y a deux parties. Il y a une partie mal filmée, une partie bien filmée. Et j'ai pas foncièrement réussi, c'est-à-dire que tu peux pas, en fait, t'es obligé de faire du cinéma au bout d'un moment, quoi, tu vois. Et donc, voilà, c'est très difficile. J'ai été confronté moi-même au problème. Princesse Mononoke, fabuleux, bah oui, hein, fabuleux, chef-d'œuvre absolu, moi j'ai jamais vu mieux, pareil que toi, même ça enterre même Akira, tu vois, c'est incroyable. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu au cinéma sur les champs, je m'en suis jamais remis, quoi. Je n'ai jamais vu Naissance d'une nation. Non, j'ai pas vu. Dis-moi, Léon, ce que t'en penses. Si je veux bien des liens, bande-annonce et tout, je regarderai avec plaisir. Mireille, je te conseille Les Mystères des Pingouins. C'est quoi? C'est un dessin animé? Penguin Highway. Ok. Que penses-tu de la trilogie du Hobbit? Je trouve ça très cool, la trilogie du Hobbit. Je comprends pas, c'est pareil, les mecs sont déchaînés. Attends, le mec, il a quand même envoyé du lourd. Hein. Alors oui, évidemment, c'est moins bien que Le Seigneur des Anneaux, mais bon, ça, on le savait de toute façon de base. Hein, le Hobbit, c'est moins bien que Le Seigneur des Anneaux. Hein. Mais justement, avec un petit bouquin comme ça qui était parti pour être une petite aventure, bah, il s'en est super bien sorti. Et notamment les versions longues que je trouve hyper bien, et notamment le 2, que j'adore vraiment. Et alors, je l'ai vu en HFR au cinéma, là, en 60 images secondes. Oh, alors, au début, tu as l'impression de voir une telenovela, et tu te dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et puis, au bout d'une demi-heure, tu t'y fais. Puis alors, quand tu arrives au dragon avec l'or qui coule et tous les effets spéciaux, tu fais, oh la vache! En fait, là où c'est génial, c'est pour les panneaux et pour tous les plans en fait qui sont filmés de loin, parce que la fluidité, vous savez, au cinéma, quand il y a des mouvements, ça saccade un petit peu, c'est pas toujours très fluide, et là, mais c'est d'une fluidité, mais c'est, ça a tombé par terre. Et donc, du coup, moi, pour moi, il faudrait mélanger le 60 images avec le 30 images, tu vois. Il faudrait que certains gros plans soient en 30 images et que certains plans larges soient en 60, tu vois. Il faudrait trouver une technique pour, je sais pas si l'œil peut s'habituer entre d'un plan à l'autre, mais sans que ça soit bizarre, mais en tout cas, il y a un truc comme ça à trouver, quoi. Donc ouais, la trilogie du Hobbit, j'adore, c'est hyper bien. Isayashi en concert, ouais. Putain,
Ah ouais, en septembre, ah bah ouais, si tout va bien, ouais, on verra. As-tu offert ton Blu-ray Age of Ultron? Non, je ne l'ai pas offert, mais c'est vrai que je pourrais l'offrir. Donc, le film coréen double agent, j'ai déjà répondu, je n'ai pas vu, mais je l'ai en plus, mais je ne l'ai pas encore vu. Tes trois Cronenberg préférés, oh, c'est dur ça. On va dire La Mouche, évidemment. Ensuite, Faux-Semblant. Ou alors Faux-Semblant en premier même. Ah, non, La Mouche en premier, Faux-Semblant. Et puis, j'ai particulièrement, je vais en prendre un petit récent, je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'ai particulièrement bien aimé celui sur Freud, là. J'ai trouvé ça très cool. As-tu vu Sam, je suis Sam? Non. J'ai pas très envie. Ça me fait pas envie comme ça. Connais-tu Electric Dragon avec l'acteur de Ichi the Killer? Non. Je n'ai jamais vu. Je connais pas du tout, pour être tout à fait honnête. Je préfère The Raid 2 à Time and Tide. Bill. Come on, Bill. Bah, écoute, je respecte, mais non, moi je préfère, bah, c'est même pas que je préfère, moi c'est, moi The Raid 2, si tu veux, je l'ai vu une fois, je trouve ça moins bien que le 1, je trouve ça bien, hein, voilà, c'est cool et tout, il n'y a pas de souci, mais c'est pas possible, ça se prend beaucoup trop au sérieux. Et Time and Tide, pour moi, c'est pas possible, enfin, je veux dire, on peut pas faire mieux que Time and Tide. Hein. Mais bon, je l'ai vu 9 fois, Time and Tide, hein, je connais par cœur. Ton avis sur It Follows? Bah, c'est super, mais voilà, c'est pas un chef-d'œuvre. J'ai bien aimé. Je préfère son film d'après. Kitano, Violent Cop, Sonatine, Outrage, c'est incroyable. Moi, vraiment, mon préféré de Kitano, c'est Violent Cop. Voilà, mais c'est incroyable ce film. Et j'adore L'été de Kikujiro aussi. Mais vraiment, Violent Cop. Avec la scène où l'autre se prend des baffes et tout. Oh, c'est vraiment incroyable. Tu n'es pas le seul, je pense comme toi sur le Hobbit et Batman. Eh ouais. Bah ouais, j'ai des mauvais goûts aussi, hein. J'ai plein de mauvais goûts, hein, les gars. Comme nous tous d'ailleurs. Moi, ma devise, c'est chacun ses mauvais goûts. On était environ 189 sur le chat, là on est 139. Donc ça défonce, merci beaucoup les gars. Hein. C'est, je crois que j'ai jamais fait autant de vues sur un live. Vous êtes particulièrement au taquet, mais j'ai envie de dire la communauté Mérège, hein, vous êtes particulièrement au taquet quand même, hein, les gars. Donc d'ailleurs, ce live-là, c'est pour vous remercier, hein, de m'avoir soutenu aussi rapidement, même si je suis complètement conscient que ce n'est pas dû uniquement à mon talent, mais aussi grâce à David, hein, parce que voilà, on avait repéré ma tête, j'avais déjà fait des vidéos, et que la popularité de David m'a bien aidé. Et je pense notamment, voilà, il y a plein de youtubeurs que j'aime beaucoup, comme par exemple le beau parleur du cinéma, qui mériterait d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Il est à 3000. Si vous ne connaissez pas le beau parleur, hein, voilà, il traite du cinéma de Hong Kong en profondeur. Et c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît hyper bien. Donc je vous recommande chaudement sa chaîne parce qu'elle est excellente. Et dans un autre ordre d'idées, je vous conseille également de vous intéresser au cas du Médiavore. J'aime beaucoup ce personnage. Voilà, sa chaîne et sa personnalité. Donc, si vous ne connaissez pas, allez faire un petit tour, notamment sa critique de Jurassic Park 3, où il chie dessus pendant 23 minutes, c'est trop trop marrant, quoi. Alors, ton jeu vidéo préféré. Écoute, mon jeu vidéo préféré, comme ça, je dirais que c'est F-Zero GX sur GameCube, donc le dernier F-Zero en date. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas sorti de F-Zero depuis. Je deviens ouf, moi c'est vraiment, mais F-Zero, mais j'en veux quoi, tu vois. Et sinon, dans les récents, j'ai adoré Alien Isolation. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre, le jeu de Sega, voilà, où t'es coursé uniquement par un alien.
Et dans les très, 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 très récents, j'ai adoré tout ce qui est Dark Souls 3, par exemple, ou Bloodborne. Pour moi, Bloodborne, c'est le meilleur jeu de la PS4. Et j'ai bien aimé aussi, sur Switch, on va dire Zelda Breath of the Wild. C'est un chef-d'œuvre absolu. J'ai détesté The Witcher 3, par exemple. Je comprends pas ce jeu. J'ai joué 10 heures et j'étais toujours dans les champs à cueillir des plantes. Je fais, c'est bon, ça m'a saoulé. Je comprends pas, genre, Game of the Year. Jamais compris The Witcher 3. Je sais pas, j'ai dû passer à côté d'un truc parce que je m'attendais à combattre des dragons et des machins. J'ai rien fait. Et voilà. Voilà un peu. Et sinon, comment ça s'appelle? Horizon. Horizon sur PS4 aussi, c'est assez dingue. Et si je devais choisir une exclue aussi sur Xbox One, hein, parce que j'ai tout, hein, la Xbox One X, je dirais que les Forza sont canon, le dernier Gears aussi est bien canon. Donc voilà. Mais voilà, ceux qui m'ont marqué, c'est Zelda Breath of the Wild, dernièrement, et Bloodborne, qui sont vraiment incroyables. Et Alien Isolation. Les meilleurs rôles de Tom Cruise, je ne sais pas. Les meilleurs rôles de Tom Cruise, si Paul Thomas Anderson, Magnolia, il est excellent dedans. Je parle en tant que prestation d'acteur. Et sinon, moi, Mission Impossible 1. Bloodborne est trop compliqué. C'est pas qu'il est trop compliqué, c'est qu'il est trop difficile. Mais t'inquiète. Mon Spike Lee préféré, c'est Mo Better Blues avec Denzel Washington et Wesley Snipes. Ce sont des joueurs de jazz. C'est absolument exceptionnel. Il faut absolument voir Mo Better Blues. Tu penses quoi de Death Stranding? Je l'ai. Je n'ai pas encore commencé. Je me le garde sous le coude. Je pense que ça doit être un petit peu ennuyeux, mais que le côté connexion et tout, ça doit être intéressant. Et puis j'adore le bonhomme, donc je pense que ça doit être sympa. Bière ou pinard? Oh là là, bière, monsieur. Je déteste le vin. Je n'en bois jamais. C'est horrible. Je ne peux pas boire de vin. Je déteste ça. Mais bière, ouais. Missionnaire ou levrette? Levrette, Yann. Voilà, comme ça, tu sais tout. La 25e heure, c'est très bien. Très bon choix. Eh bien, voilà, hein, les petits cocos. Nous arrivons au bout. Comment trouves-tu le temps entre boulot, vie de famille, mater des films et jouer aux jeux? Eh bien, je dors 4 heures par nuit. Tu vois, là, ça fait à peu près 15 jours. Je dors 4h30, 5 heures. Ça fait là ouais, même une vingtaine de jours que c'est comme ça. Donc ça se voit un peu, tu vois. Mais voilà. Donc ouais, c'est dur. C'est dur. Je m'organise. Je regarde combien de temps dure le film. Parfois, je suis obligé de regarder un film en plusieurs fois parce que j'ai mon fils et que c'est pas possible, tu vois. Donc je me débrouille. Et puis, j'essaye d'être le plus spontané possible pour faire mes vidéos, donc pour aller vite. Donc, comme j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai une petite facilité à parler d'une traite. Donc, j'ai pas forcément besoin de faire beaucoup de montage. Et j'arrive, si tu veux, à construire la vidéo dans ma tête avant de la faire. Après, je l'écris. Et ensuite, voilà, je vais la réciter, mais je me trompe pas beaucoup. Donc je pense que je vais plus vite que d'autres qui peuvent un peu galérer à voilà, donc j'ai des petits atouts parce que j'ai fait beaucoup de théâtre, faites du théâtre, hein, ça aide dans la vie. Hein. Voilà, alors j'ai d'autres questions. Tu es le meilleur, Mirej. C'est faux, je ne suis pas le meilleur. Mais longue vie à toi. Merci. Mon Verhoeven préféré, alors il y en a deux, il y a Robocop. Et le quatrième homme. Quatrième homme, c'est incroyable. Mon rappeur préféré, Eminem et Snoop Dogg. Voilà, les deux. Et en producteur, c'est Dr. Dre et Pharrell Williams.
Pharrell, les Neptunes, je suis un ouf. Et mon groupe de rap préféré, c'est Clips. C'est Pusha T et Malice, produit quasiment à 99% du temps par Pharrell. Ma pire séance ciné, c'est Justice League. Sans aucun problème. C'est pas le nombre d'heures qui est important. Il y a des gens qui se reposent en peu d'heures. Écoute, ouais, mais moi, je t'avoue, je ressens quand même. J'aimerais bien me reposer un petit peu plus quand même. Que penses-tu de la série Action Live One Piece lancée par Netflix? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue. Et je suis pas trop série de manga. Je préfère les mangas. Je préfère les longs métrages. Par exemple, Berserk. Je sais pas si vous avez vu là les trois longs métrages Berserk. Je m'en suis pas encore remis moi. J'ai fait la tuerie atomique quoi. Ils sont d'ailleurs disponibles sur Netflix, je crois. Si vous avez pas vu Berserk, les gars, c'est la folie. Et la folie. En plus, c'est ultra bien fait. Qualitativement, mais tout est génial. Point limite zéro, je ne l'ai jamais vu. Voilà, encore un film que 2046 de Wong Kar-wai, très beau, comme d'habitude. C'est très très beau. Grand Master Flash, ouais, mais je l'ai découvert trop tard, donc j'ai pas été hypé, si tu veux. Moi, j'étais vraiment rap français au début. Toi, Radio Nova, Dynasty, Assassin, NTM. Et genre, on n'écoutait pas d'américain, on écoutait que du français. Et du coup, je suis un peu passé à côté de toute cette... mon rappeur préféré français, alors le groupe de rap, le meilleur groupe de rap français pour moi, c'est La Caution. Hein. Je le pensais avant de les rencontrer. Donc voilà, parce que pour moi, ils mettent à l'amende tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et Peine de mort et Arc-en-ciel pour Daltonien. D'ailleurs, je suis sur l'album. Haha. Je fais des skits sur les deux albums de La Caution. C'est le meilleur album de rap français qui existe. C'est incroyable. Mais si je te parle en tant que fanboy, mon groupe préféré, c'est Assassin. Et donc, mon rappeur préféré, c'est Rockin' Squat. Et d'ailleurs, là, Squat, il vient de sortir un album, 432 Hz, qui est donc enregistré sur la fréquence terrestre. Et ça fait un petit moment que ça me décevait ce qu'il faisait. Et là, franchement, j'ai trouvé l'album hyper cool, très bien travaillé. Il rappe dans les temps, c'est bien écrit et c'est super original au niveau du son. Il y a plein d'instruments très très intéressants. Les prods sont super bien faites. Enfin voilà, vraiment, c'est musical. Ils ont été chercher des vrais icônes, c'est tout. J'ai fait bravo Squat. Franchement, c'est très très bien. Allez, voilà, 432 Hz, l'album de Squat, de Rockin' Squat, c'est excellent. J'ai vraiment, je l'écoute beaucoup là, je trouve ça très très bien. Bonne soirée, Tim. Bonne soirée. J'ai vu qu'il revenait au King Squad, c'est cool. Ouais. Et merci pour ce live qui est top. Mais merci à vous les gars. Je vais y aller, je vais aller manger. Merci beaucoup, Radio Nova, je vois Lionel D, c'est incroyable, pour toi mon frère le beurre. Merci à vous d'être aussi fidèle, de me soutenir autant. La prochaine fois, j'essaierai de manger avant, comme ça on pourra dépasser peut-être les 3 heures. Mais c'est vrai que là, je vous avoue que j'ai mon estomac qui crie famine. Et puis en plus, il faut que j'aille voir... le gangster, le flic et l'assassin, parce que c'est plus possible. Ça fait genre 100 fois qu'on me demande, il faut absolument que j'aille le voir. Donc, bisous à tous, les petits confinés. Merci. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, les gars.